Non! Non, Davy! Pour l'amour de Dieu, tu te maries aujourd'hui! Comment est-ce que je vais me marier comme ça? Pourquoi aujourd'hui? Je ne comprends pas. Pourquoi aujourd'hui? Je veux dire, tu aurais dû me dire ça depuis tout ce temps, mais tu ne l'as pas fait. Tu me le dis juste maintenant. C'est de ma faute. Mais tu ne dois pas complètement m'en vouloir. J'étais juste plein d'espoir. Tu étais juste plein d'espoir? Plein d'espoir, tu dis? Alors que tu connais les conséquences qui entourent ta décision d'épouser ce gars. Marie, si tu manges ou aimais, c'est maintenant le temps de le prouver. Regarde, Davy, on ne peut pas me voir avec toi. Surtout pas un jour comme celui-ci. Qu'est-ce qui est si spécial pour toi de ce jour? Non, je te le demande, qu'est-ce qui est si spécial? Et tu te comportes comme si tu voulais délibérément me blesser. Davy, je suis terrien pour l'amour de Dieu. Je comprends les traditions et coutumes de notre peuple. Je peux m'en foutre des conséquences, mais qu'en est-il du trône? En foutre-toi également du trône. Oh, écoute ce que tu dis. M'en foutre du trône sera s'en foutre des traditions de tes pères et nos ancêtres. Je ne peux pas te laisser faire ça à ta famille, allez. Marvin, dis-moi la vérité. Est-ce que tu vois quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Pourquoi est-ce que tu dis une chose pareille? Parce que ça a l'air tellement facile pour toi. Regarde comme tu me parles. Davy, je suis blessée au plus profond de moi, mais toi, tu te comportes comme si de rien n'était. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Davy, j'aurais aimé te tenir les mains en ce moment même et te ramener à la raison. Tout d'abord, je t'aime encore énormément et ça me fait beaucoup de mal de devoir te laisser partir. Mais c'est ce qu'il en est. Ah, tu te maries aujourd'hui et tu me stoppes en route. Où est ton frère? Il était avec toi la dernière fois que je l'ai vu. Vous allez nous faire arriver en retard à Umuezu. Et ce n'est pas bon pour notre réputation. Nous avons fait attendre les anciens. Mère, je suis prêt. Retrouve ton fils. Je n'aime pas ce genre de choses. Je t'ai déjà dit de ne plus venir dans ma boutique. Tu viens boire dans ma boutique, mais tu ne payes pas. Moi, je n'aime pas ce genre de choses. Tu dois me payer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ça suffit, ça suffit, ça suffit, ah. J'ai compris. Comment tu peux venir dans la boutique de quelqu'un et boire sans payer? Voilà une cliente. Bonjour, madame. Bonjour, madame. S'il te plaît, tu as quelque chose qui peut faire sortir une grossesse de 2 mois? Ah, bien sûr, bien sûr. J'en ai. Ok, j'en ai besoin. Mais pour vous, ce sera 10 000 naira. Je vais payer. Mais tu es certaine que ça va faire ce que je veux? Vous avez dit que c'était 2 mois. Ne vous en faites pas. Je vais vous donner. Merci. Ok. Tu peux rester autant que tu veux. Mais quand tu t'en vas, rassure-toi de fermer la porte et de remettre la clé au réceptionniste. Donc c'est juste à ça que je te sers, n'est-ce pas? Je ne comprends pas. Je commence à tomber amoureuse de toi. Pourquoi? Ça fait déjà 4 ans que nous entretenons cette relation. Et tu n'éprouves toujours rien pour moi. Comment fais-tu pour avoir une érection? Je vais revenir. Juste attends. Si t'as besoin de quoi que ce soit, demande, je vais gérer la facture.
Tina? Oui, ma princesse. S'il te plaît, va regarder si ma sœur a fini avec son maquillage. Comme ça, elle pourra me rejoindre au salon et on pourra prendre quelques photos. Demande également à la maquilleuse de monter. Dis-lui de venir. D'accord, ma princesse. Excusez-moi, ma princesse. Mère? Où est ton frère? Mère. On n'a qu'à partir. Il va nous rejoindre. C'est quoi cette stupide suggestion? Et que vais-je dire au roi et au conseil? On va leur dire qu'il s'occupe de quelque chose. Et qu'il va nous rejoindre. C'est tout. Et s'il ne vient pas? Nous allons couvrir nos visages de honte. Mère. Calme-toi. D'accord? Ou Tina gère ça. Crois-moi, il ne s'est pas enfui. Je comprends comment tu te sens, mais tu dois me faire confiance, d'accord? Et il ne s'est pas enfui. Mes salutations, mon roi. Mes salutations, mon roi. Merci. S'il vous plaît, laissez-nous. Excusez-moi, mon roi. Les dieux de notre terre. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire à cette fille? Père, s'il te plaît, peux-tu arrêter de te plaindre? Si tu continues à te plaindre, tout le royaume et ses environs seront au courant que Dabéré est perdue. Non. Elle ne s'est pas perdue, elle s'est juste enfuie. Est-ce que tu as pensé sous un autre angle qu'elle pourrait avoir des ennuis? Dabéré ne peut pas faire une chose pareille. Elle était la première à accepter épouser le prince avant même que je ne le fasse. Ta sœur est vraiment sournoise. Elle nous a trompés. Et toi, Barnabas? Mon roi? Où étais-tu quand elle a quitté le palais? Réponds-moi! Ou est-ce que tu es devenu tellement incompétent que tu ne peux plus voir le bien-être de ce palais? Papa, je t'en prie, tu ne dois pas lui en vouloir. Tu sais quoi? Moi-même, j'irai de là dehors et trouver Dabéré. Non! Je ne veux pas que ton prétendant arrive et vous trouve toutes les deux absentes. Je vais essayer de ralentir la procédure. Écoute. D'accord. Envoie un message quand elle sera de retour. Oui, mon roi. D'accord, papa. Iba la gananea. Ouais, c'est moi. Ça avance. Iba kalakana, Ima. Igwe ogenigala. Le lion d'Umago. Oh non. Ouais. L'envie à toi. Il sait. Il y a Kanka. L'envie, Goué. Au revoir, Melo. L'envie. Au revoir, Igo. Au revoir. On le fait. Et Tché, tu l'as vu maintenant. Igoué, Nizir Kame. Igwe, Otogo, je vous salue. Et tout ira bien pour vous tous. Ici, Doudou Kwab. Bien, Kurokainen.
Oluwa gala nanye ha. Igwe gala ganye ha. Okome. Okome. Igwe. Hey. Odogu. Soyez les bienvenus. Bienvenue. Bienvenue. Soyez la bienvenue. S'il vous plaît, entrons. Vraiment? Genre, tu ne veux même pas t'expliquer. Tu es parti depuis longtemps et tu ne veux rien dire. Tu ne veux même pas t'excuser de n'avoir pas été là. Est-ce que tu es sérieuse? Ah, il fait tellement chaud ici. La clim n'est pas allumée. Quoi? Écoute, je ne suis pas prête pour ça. Il n'y a pas le temps. Dis juste à ma servante personnelle de venir s'occuper de moi et à la maquilleuse de venir me maquiller. Il n'y a pas le temps. S'il te plaît. Tina? Tina, viens là. Ma princesse, vous m'avez appelée? Oui, appelle la maquilleuse. Et fais venir les effets personnels de ma sœur. D'accord, ma princesse. Dépêche-toi. Ok. En passant, le prince Festus n'est pas là. Il est dehors, il nous rejoindra bientôt. Où est-ce que Kellen? Hey! Kellen! Hey! Tcha-tcha-tcha-tcha! Homo dit que Kellen! Hey! Ken est zoué nous? Hey! Ken est zoué nous? Hey! Oh non! Je remercie beaucoup nos ancêtres d'avoir donné à nos fils et à nos filles la compréhension des événements pareils. Oh non, tu as raison. Merci. En fait, tu es un homme avec beaucoup de sagesse. Je suis très content. Voilà la façon dont les hommes sont intransigeants ces jours. Surtout lorsqu'il s'agit des affaires de tradition et de coutume comme celle-ci. Oh. Pour que nos jeunes princes acceptent cela, c'est une grande joie. Ije, tu as raison. Les dieux sont en effet sages. Voici la troisième fois que nous faisons ça. Qu'aurons-nous fait pendant un moment pareil? À un moment, je suis devenue confuse. Vous êtes tous d'accord que c'est plus difficile d'élever un garçon. Surtout quand il s'agit de ce qui concerne le mariage. Ma reine, nous remercions les dieux de vous avoir donné des fils qui ont de l'intégrité. Exactement. C'est à cause de l'intégrité dans leur cœur qui les a poussés à soutenir les coutumes et les traditions de leurs ancêtres. Tu as raison. Béni. Tu as raison. Barnabas. Oui ou non? Eh bien, il est temps maintenant d'aller appeler nos princesses afin qu'elles viennent saluer nos anciens. Oui ou non? Majesté, Ekaraka,
le lion du grand royaume de Mazu. Oh no. Agomba. Ezagwo Kanaï. Longue vie à toi. Le porte-parole de notre roi. Prince. Les princesses, le chef des gardes est venu avec un message du trône. Parle. Vous êtes attendues toutes les deux pour aller saluer votre belle famille maintenant. Et pourquoi est-ce que tu me le dis? Ne vois-tu pas qu'elle est encore en train de se maquiller? Alors c'est à sa maquilleuse que tu devrais t'adresser. Ou alors voudrais-tu que je me présente là-bas toute seule? D'accord, ma princesse. Ma princesse? Tu as parlé, je t'ai écouté. Permets à la maquilleuse de terminer. D'accord, ma princesse. Ah! Oh mon Dieu! Est-ce que vous allez bien? Ma princesse! Zab, est-ce que tu vas bien? Ma princesse! Ma princesse! Ma princesse! Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'elle ira bien? J'aimerais savoir ce qui lui est exactement arrivé. Ma princesse, d'après les examens que j'ai conduits, on dirait que la princesse d'Abéré a pris une sorte de concoction pour essayer de se débarrasser. Je veux dire avorter d'une grossesse de 2 mois. Mon Dieu. Docteur, est-ce que vous êtes sûr de ça? Oui. D'après les examens physiques, tout tend à prouver exactement ce que je viens de vous dire. Docteur, s'il vous plaît, vous devez faire tout ce qui est à votre possible pour qu'elle puisse se remettre sur pied. Je ferai de mon mieux, ma princesse. S'il vous plaît, je vous en supplie, ne mettez pas mon père, le roi, au courant. S'il vous plaît. Ok. D'accord, ma princesse, pas de soucis. Pas de soucis. Docteur, ce silence que vous observez, j'espère que tout va bien. Docteur, s'il vous plaît, quoi que ce soit, dites-le-moi, je peux le supporter. Je suis son père. Eh bien, votre Altesse, je vais devoir encore conduire plusieurs examens sur elle. Mais, d'après les symptômes que j'ai observés, je suspecte la typhoïde et le palu. Ah! Majesté, je pense que tout ceci est également lié aux préparatifs du mariage qui ont certainement dû stresser la princesse. Et docteur, quand pourrait-elle se remettre sur pied? Eh bien, mon roi, comme je l'ai dit tantôt, je vais devoir encore mener plusieurs examens sur elle. Mais néanmoins, elle sera sur pied d'ici 1 heure ou trop. 1 heure? Viens. Qu'allons-nous faire de cette situation? Allons-nous informer notre belle famille? Non, Majesté, nous ne pouvons pas faire cela. Si nous faisons cela, ce sera un peu comme donner une chance à nos ennemis. C'est une erreur. Alors, qu'allons-nous faire? Majesté, nous allons simplement introduire le plan B. Plan B? Plan B? Oui, Majesté. Et qu'est-ce que c'est? The great king of Umezu kingdom, the great king of secret and open places, the fearless lion who upon birth a grateful set of teeth. You stay at him in our eyes if he ever suck his mother's breast on the Paranaya. I never want to know
Otogo. Ok, abalé. Mes filles, aujourd'hui je vous bénis. Je vous bénis, Aike. Je vous bénis, Aoye. Je vous bénis encore. Amen. Et Otafor. Amen. Je dis que votre mariage est béni. Amen. Vous ferez beaucoup de garçons et beaucoup de filles à vos maris. Amen. Mais les garçons seront plus... Les garçons seront plus nombreux. Tout œil maléfique dans votre mariage fera face à la colère du Dieu Tout-Puissant. Amen. Vos entrées et vos sorties avec vos maris sont bénies. Princesse Ada? Princesse. Elle n'est toujours pas rentrée? Non, ma princesse. Et j'ai peur de rester avec cette tenue. Ce sera suspicieux. Laisse-moi appeler père. Ma princesse, qu'allons-nous faire? Mon Dieu, je ne sais même pas encore. Tu dois te calmer et me laisser me concentrer. Je dois appeler père. Qui est là? Un instant. Qui est là? Le prince Festus. Princesse. Bébé. Waouh. C'était ravissante. Merci. Tellement fraîche. C'est tellement belle. Tu fais ici? Tina, ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Ça ne va pas. Comment ça? Où ça? Est-ce que le palais est en feu? Peut-être. Probablement ce palais est en feu. Laisse-moi te dire, la princesse Adogo est coincée avec le prince Festus. Je me suis débrouillée pour m'enfuir. Je pense que la princesse se cache dans sa chambre en prétendant être la princesse d'Abéré. C'est pas possible. Cette fille aussi. Pourquoi elle disparaît toujours pendant des moments importants? Elle met tout le monde sous pression. Je ne sais pas pour elle. Et tout ceci devient vraiment compliqué. Hein? Tout ceci devient vraiment compliqué pour nous. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec ces jumelles. Elles veulent me rendre folle. En fait, elles m'ont déjà rendue folle. C'est bon. Tu dois te calmer. Nous devons juste suivre les choses comme elles se jouent. Oui. Maintenant, je dois aller l'attendre au portail.
probablement me faufiler comme une voleuse. C'est tellement énervant. C'est vraiment énervant. C'est bon, je comprends, mais tu dois te calmer. Hein? Tu t'agites trop, calme-toi. Tu vois? Sourire, calme-toi. Tu iras bien. Comment vous sentez-vous, ma princesse? Mon dos et mes hanches me font mal. Je comprends. Vous irez bien. Je vous apporte des analgésiques. Dites-moi, est-ce que c'est tout ce que vous ressentez maintenant? Oui. Que s'est-il passé? Oui, ma sœur. Et notre mariage. Père, ça aura toujours lieu, n'est-ce pas? Oui, le mariage a eu lieu. On a dû faire passer une servante pour toi. Elle va distraire le prince. D'accord. Papa, est-ce que s'il te plaît, tu peux me laisser seule avec le docteur? C'est d'accord. Votre Altesse. Ah. Docteur, je ne sais pas quoi dire, mais je sais que vous êtes au courant de ce que j'ai fait. Votre Altesse, la grossesse est toujours là. Quoi? Cette chose afflige me tuer. Oui, je ne comprends pas. Pourquoi n'êtes-vous pas venu chez moi au lieu de prendre cette concoction? Comment savez-vous que j'ai pris une concoction? Je suis un docteur qui a de l'expérience. Je connaissais exactement l'état de votre santé quand je vous ai examiné. Docteur, je ne peux pas garder cette grossesse. Il n'est pas question que je mette cette responsabilité sur le prince. Je vous comprends. Mais il n'y a rien que je puisse faire pour vous. L'état de votre santé, ce sera très risqué, même si on voulait faire une dilatation et curetage, ce n'est pas possible. Ok. Et si on ne le faisait pas tout de suite? Peut-être après quelques jours? C'est toujours non, ma princesse. Sincèrement, pourquoi ne pas juste garder cette grossesse et simplement vivre avec? Vous pouvez voyager tout le temps de la grossesse et revenir avec l'enfant. Personne ne saura ce qui s'est passé et même comment ça s'est passé. J'ai appris que tu n'as rien commandé. Et si tu allais dehors chercher de quoi manger? Je n'avais pas faim. En plus, la nourriture et la boisson ne m'intéressent pas pour le moment. Donc je vais te priver de nourriture parce que je me suis marié. Écoute, Utina. Comment est-ce que tu m'appelais? Utina. Donc je n'ai même pas le droit de t'appeler par ton nom? Qu'avons-nous réellement eu pendant ces 4 années? Tu sais, je suis venu ici juste pour me détendre et passer le reste du temps avec toi, tu vois. Ouais, pour la dernière fois avant que je ne rentre à la maison, mais je crois que la meilleure chose à faire maintenant, c'est de rentrer. Comme d'habitude, tu trouves toujours une raison pour t'en aller. Pas besoin de moi pour ça. Amara, tu commences vraiment à devenir ridicule et j'aime pas ça. Utena, te regarder en ce moment me donne envie de te cracher dessus. Hey,
Arrête. À ce point, je crois que je dois partir. Tu peux partir. Je peux retrouver mon chemin au palais. Je suis vraiment désolée. C'est bon, c'est pas grave. On parlera de tout ceci demain matin, d'accord? D'accord. Laisse-moi aller dans ma chambre. Non, j'ai déjà consommé ton supposé mariage avec lui. Aussi vite? Tu as mis plus de temps que je pouvais gérer. Il voulait de l'action. Alors, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Écoute, il n'y a aucun moyen que je puisse coucher avec deux frères la même nuit de mes noces. C'est bon, ça va aller. Je te comprends parfaitement. Ce que tu as fait, tu l'as fait pour moi et je ne t'en veux pas du tout. D'accord? Je veux juste te dire que j'apprécie ton sacrifice. C'est pas comme si nous les avons choisis. Eux non plus ne nous ont pas choisis. Alors, peu importe avec qui on finit, ce ne sera pas un souci, n'est-ce pas? Oui. D'accord, je dois partir avant que le prince ne constate mon absence. D'accord, très bien. Oh. Oh. Bienvenue, mon prince. Merci. Bienvenue, prince. Quel plaisir d'être à la maison. Bienvenue, mon prince charmant. Ok, ok. Par là, je devais que c'est toi, ma femme. Tu es tellement hilarant. Vous êtes belle, je veux dire, des jumelles incroyables. Merci. D'accord, maintenant, c'est le moment de vous laisser. Amusez-vous bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Ok. Excusez-moi. Bonne nuit. D'accord, ok, s'il te plaît, assieds-toi. Quoi? Je veux juste m'asseoir ici et regarder ton magnifique visage. Je veux dire, regarder ce visage que les anciens m'ont privé de regarder pendant... de regarder pendant notre cérémonie de mariage. Alors laisse-moi profiter de cette occasion pour te regarder. Ok. Alors, est-ce que cela ajoute un prix à ceci? Tu peux encore le redire. Tu sais, je ne croyais pas que ceci allait marcher. Je veux dire, je suis tellement content que ça marche. En fait, j'avais vraiment très peur. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis très longtemps, depuis des années. Maintenant, tu vois pourquoi on doit croire nos traditions. Hey. Votre Altesse. Amara, tu vas être punie pour n'avoir pas obtenu la permission de la bonne personne. Votre Altesse, je ne voulais pas vous importuner avec la nouvelle de la mauvaise santé de ma mère. Ta mère ne se sent pas bien? Oui, elle ne se sentait pas bien, mais elle va bien maintenant. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Comme ça, je t'aurais donné quelque chose pour elle. Je ne voulais pas vous déranger, ma reine. Le prince t'a-t-il donné quelque chose? Oui, il m'a donné un peu d'argent pour les factures d'hôpital. La prochaine fois que tu iras la voir, dis-le-moi, je lui enverrai quelque chose. Merci, Votre Altesse. Tu peux repartir à tes obligations. D'accord, ma reine. C'est la vérité. Je suis en train de te dire la vérité. Tu ne comprends pas. En tout cas... Je te dis la vérité, ma sœur. J'aime vraiment la façon avec laquelle les choses sont faites. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Allons-y, elle ne va pas bien. Non, madame, allons-y. Madame, qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien. Désolée, madame. Désolée.
Regardez qui nous avons là. Mes salutations, Marie. Ah, arrête, arrête, ne m'appelle pas comme ça. Appelle-moi mère. Tu n'es pas un de mes sujets. Je suis désolée, mère. Leur paye servie. Je vois que tu t'habitues vite avec ta cuisine. J'aime en fait cuisiner, c'est l'un de mes hobbies. Alors, j'ai décidé de cuisiner quelque chose de délicieux pour que nous puissions manger ensemble. Ah, oh, c'est tellement merveilleux. Merci, maman. D'accord, laisse-moi aller chercher mon mari, comme ça on pourra manger tous ensemble. Ah, il est sorti. Il n'est pas là. Il ne m'a pas dit qu'il allait quelque part. Il ne voulait pas sortir. C'est Chef Iliok qui l'a appelé. Alors, il est parti le voir. Ne t'en fais pas, je vais manger avec toi, ok? Mes salutations, ma reine. Ma princesse, vous avez un message. Excusez-moi. Docteur Zuba, fausse couche? Excuse-moi, maman. Mais okay, non, pas de soucis. Mais non, Dabiri ne peut pas faire une fausse couche maintenant. Oui, oh. C'est ce qui s'est passé, mais tu n'aurais pas dû faire ça. Faire quoi? Tu devrais savoir que c'est de sa faute. Tu ne devrais pas dire les choses comme désolé. Ça. Désolée. Mais attends, j'ai vraiment très peur en pas ce de moment. Quoi? Je ne comprends pas comment la princesse peut juste s'évanouir comme ça. Qu'est-ce qui a bien pu causer oui, cela? Également. J'ai très peur. J'espère qu'elle ira bien. Je l'espère aussi. Parce que la princesse Dabiri oui. est une très bonne femme. Qui sait comment le prince Outiena va se oui, sentir elle en est. Ce moment? Tu sais quoi? Jusqu'à présent, nous n'avons pas les diagnostics du docteur. C'est exactement mon point de vue. J'ai vraiment très peur. J'espère juste qu'elle ira ne t'en mieux. Fais pas, elle ira bien. Je peux savoir ce que vous avez fait? Père, il n'y avait rien d'autre à faire face à cette situation que d'accepter ou de céder au destin. Non, ce n'est pas le destin. Ceci peut conduire à un sacrilège et causer un désastre au futur. Comment, père? Tu es la plus jeune, princesse. Tu es censée te marier au prince héritier et devenir sa reine à Omodike. Tandis que la princesse héritière Dodo se marie au plus jeune prince. Et tous les deux régneront sur Moizou. Père, honnêtement, je ne comprends pas de quoi tu es en train de parler. Franchement, pourquoi les aînés ne se marient pas et les plus jeunes se marient? Je ne comprends pas du tout. Cela veut dire que tu ne comprends pas mes explications. Bien évidemment que je ne comprends pas et je pense que tu devrais être un peu plus clair. Bien. Tu es l'aîné. L'aîné de la maison épouse le plus jeune prince. Tandis que la plus jeune princesse épouse le prince héritier. Ok, je te comprends bien maintenant. Mais cette situation dans laquelle on se trouve, il n'y a vraiment plus rien à faire. Alors nous allons laisser les choses simplement comme elles sont. Non, on risque de provoquer les dieux. Mais père, les dieux peuvent être apaisés. Je veux dire, ma sœur et moi ne pourrons pas vivre avec le fait de partager nos maris. Vous n'allez pas partager vos maris. Vous allez juste faire un plan de départ. Malheureusement, il est trop tard. Il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste. Après tout, ta sœur n'est pas allée intimement avec le prince. Voilà, tu fais. Non, je ne comprends pas. Donc je suis celle qui doit supporter cette charge toute seule? C'est ça? Il n'y a aucun moyen que j'accepte ça. Je ne le ferai pas. Je ne l'accepterai pas. S'il te plaît, ma fille. Prends ça comme une requête de ton père. Je te le demande juste. Écoute. Père, je vais préférer perdre ma couronnée en tant que princesse héritière que de voir mon corps et ma dignité foulée comme ça. Et déjà tout le monde traversé de choses. Je suis désolée, ma chère sœur. Je suis désolée de toute la peine que je t'ai causée. Je n'ai jamais eu l'intention de prendre ta place. Tu n'as pas pris ma place. De toute façon, nous serons toutes deux reines de ce royaume et nous allons régner. C'est ce qui compte, que le trône de notre père soit en sécurité, et c'est tout. Et c'est exactement ce que nous faisons. Écoute, ma fille. N'ayons pas les yeux plus gros que le ventre. Cette chose a l'air de rien. Mais elle est bien capable de détruire la lignée royale que vous essayez de protéger maintenant. Père, père. Quand ce moment arrivera, je préférerai sceller ce vide avec mon sang. Tu sais, je suis pas doué aux devinettes, n'est-ce pas? Ok, laisse-moi encore essayer. Ta dernière chance.
sais. Le collège des reines et des rois. Tu sais, bébé, n'est-ce pas drôle que nous avons accepté de nous marier sans chercher à nous connaître vraiment, vraiment très bien. Que tu t'habitues. C'est juste arrivé. Le truc est que tout le monde était fâché, irrité et... Et je suis arrivé ici. Comment appelle-t-on cela? L'amour. La connexion divine. Votre Altesse, je voulais juste savoir si vous avez besoin de quelque chose. Non, nous allons bien, merci. Vous en êtes sûre? Oui, très sûre. Faites-le moi savoir au cas où. Ok, d'accord. Bébé, ne fais pas ça. Allez. Mais arrête. Écoute, nous devons discuter et nous accorder avant de rencontrer le prince le prochain jour du marché des quais. Tu sais, nous avons commencé les préparatifs pour son initiation dans le socle sacré du maudit quai, avant son couronnement. Eh ben non. Il y a tellement de choses à résoudre avant de parler des affaires du couronnement ou de l'initiation. Tu comprends? Et tiens, je ne te comprends pas. Y a-t-il quelque chose de plus important dans ce royaume que le couronnement et l'initiation du prince? Mais est-ce que tu as oublié que Chef Luko a dit que le prince a un cas avec les dieux? Je crois bien que c'est un truc comme ça. Ou alors je me trompe. Tifelugo et ses fausses promesses et ses prophéties douteuses. Mais oublie ce Tifelugo. Est-il le roi de ce royaume? Est-il le roi? Mais je crois bien qu'il parle de ce qu'il a entendu. Qu'a-t-il entendu? Oublie ce Tifelugo. Viens, on va où on allait. Oublie ce Tifelugo. C'est pas important. Oui, faisons ce qui est nécessaire. Ok. Ah, doucement. Que je fasse doucement? Oui, ça fait mal. Comment? Je vais tout abandonner, oh. Mais non, continue. Aïe. Mais pourquoi? Appelle-moi, ma femme. D'accord, mon prince. Toi, laisse-moi. Toi. Quelqu'un a soudainement mon temps parce que j'ai perturbé son esprit. Oh, vraiment? Je vois. Donc, tu voulais attirer mon attention en faisant tout ça. Tu sais très bien que ce n'est pas le cas. Je veux beaucoup plus. Malheureusement, t'as manqué de réaliser que tu n'auras pas ce que tu veux. Je vais la voir. Tu sais que je vais la voir. Et je te préviens pour la dernière fois. T'as vu cette comédie que t'as jouée là-bas? N'essaye plus jamais. J'en ferai plus. Comment oses-tu? Nous avons terminé. Est-ce qu'on peut sortir? J'aime pas sortir. Tu es une personne casanière? Pas vraiment. Mais je sors uniquement quand c'est nécessaire. Eh bien, je sors parfois m'amuser quand je m'ennuie. Et actuellement, cet endroit est ennuyeux. Je t'assure, je suis phoque. Alors vas-y, sors. Vas-y, prends un peu d'air. Personne ne t'en empêche. Nous sommes en couple et nous sommes nouvellement mariés. Si nous sortons tous les deux et passons des moments ensemble, je suis sûre que ces moments seront gravés à jamais.
Pas vraiment. Ne passons-nous pas déjà du temps ensemble? Vraiment? Écoute, princesse, je passe un très bon moment. Je vais bien. Si tu ne l'es pas, tu peux sortir. N'importe où tu vas aller, tu peux sortir. Personne ne va t'arrêter. En y parlant même. S'il te plaît, prépare la voiture. Ma femme va sortir. Ne veux-tu plus sortir ? Eh bien, Onohou, tu avais l'air si sérieux au téléphone. Ça avait l'air d'une urgence. Oui, ça l'est. Il y a une affaire que nous devons résoudre avant que notre travail ne soit en vain. Ça a l'air vraiment dangereux. Arrête de me tenir en suspens. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que les anciens ont décidé de suspendre le couronnement du prince Festus. Et pourquoi prennent-ils une telle décision sans d'abord m'en informer? Je le vois comme un complot pour monter sur le trône. Et quelles sont leurs raisons? Itié Olugo prétend qu'il y a une prophétie contre le prince, qu'il n'aura pas d'héritier. Les anciens ont décidé que sa femme, la princesse de Mwezu, devrait d'abord tomber enceinte. Ou mieux encore, donner naissance à un garçon avant son couronnement. Et pourquoi est-il le seul à connaître cette prophétie? Eh bien, il est la seule personne qui est avec l'ancien roi quand cette prophétie avait été donnée. Si jamais il y en a une. Merci beaucoup pour cette information. Ma reine! Vous me laissez comme ça? Oh non, ce n'est pas le temps pour le plaisir. Princesse, vous m'avez appelée. Ok, donc, tu vas aller me chercher des fruits frais. Et si tu ne trouves pas ce qui est frais, tu reviens. Je vais préférer demander à Pius d'aller au marché demain. D'accord, ma princesse. Quel est le genre de fruits que je dois acheter? Les ananas, les oranges, la papaye et les avocats. D'accord, ma princesse. Qu'en est-il de la pastèque? Bien, tu peux également ajouter cela. D'accord, ma princesse. Assure-toi de ne pas mettre lent. Oui, ma princesse. Très bien. D'accord. Qu'est-ce qu'elle t'a demandé d'acheter? Et c'est quoi cette stupide question? Tu es stupide? As-tu oublié que je suis le chef principal de ce palais? Tu ne peux pas apporter quelque chose de mangeable sans ma permission. Alors, qu'est-ce qu'elle voulait que tu achètes? Tu es ivre? Amara, donc tu mets en question l'ordre de la princesse? Si tu le répètes encore, je vais te poignarder. Tu es folle. Si quelque chose arrive dans ce palais, je serai questionnée. Je l'ai entendu te dire qu'elle voulait des fruits. Il y a un tas de fruits dans ce frigo. Tu ne peux pas sortir pour faire des achats sans avoir ma permission. Amara, je peux avoir l'argent. Comme ça, je pourrais le lui remettre. Tu ne peux pas le lui remettre. T'en fais pas pour ça. Amara, tu vas bien? Qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille? Amara, reviens ici.
Ah. C'est bien. Ah. Ouais. Babe, ton téléphone sonne. Tu ne veux pas le décrocher? Oui, je vais rappeler plus tard. Je suis en train de profiter de ce moment paisible avec mon mari et je ne veux pas que quelque chose m'embête. Ah, je passe aussi des bons moments et je ne veux pas des distractions. Je le sais. Vas-y, doucement. Ah. Ouais, c'est ça. Uchina. Oui, mère. Tu sais que tu n'as plus rendu visite à ta belle famille depuis que tu as épousé la princesse. Non, mère. Festus. Mère. Cette réunion est également pour toi. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Fiston, il est possible qu'il y ait un complot pour t'arracher le trône. Vraiment. Dis-moi, mère, qui crois-tu être derrière tout ça? Fiston, nous n'allons pas nous battre. Mais je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Qu'est-ce que c'est? Je veux que tu rendes visite à Chef Iliogo. Apporte-lui tout un tas de cadeaux. Et ensuite, parle-lui de ton couronnement. Désolée, mère, je ne comprends pas. Je croyais qu'Onora était le plus important ici. Oui. Mais Eliogo est un chat. Et c'est à ce chat méchant que nous devons présenter un poison suspicieux. La peur de la mort ne le laissera pas mordre quelqu'un. L'ogar est tellement froid. Je t'assure, froid dans tous les sens. Il n'y a rien, il n'y a vraiment rien d'intéressant en lui. Ma chère sœur, tu dois trouver le moyen de te rendre heureuse comme ça. Tu ne mourras pas de dépression. Voilà exactement ce qui m'énerve. Genre, comment est-ce que je peux être mariée et me sentir aussi seule? Tu sais, c'est vraiment triste. Et ça me donne envie de reformuler la citation de mon mari. Je crois que je commence à croire au destin. Parce que si j'avais été à ta place, fais-moi confiance, je t'assure que je lui aurais fait ressentir la même douleur. Fais-moi confiance, je vais en venir à ça. Mais en ce moment, je suis tellement irritée. Irritée au point où je suis sur le point de prendre mes bagages et sortir de sa chambre. Non, tu ne peux pas faire ça. Et tu sais très bien que ça fera geste. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Honnêtement, je n'ai pas de réponse à ça là tout de suite, mais je suis sûre que je vais trouver une très bonne idée. J'espère que cela arrivera le plus tôt possible, avant que je meure de dépression. Ah, qu'est-ce qui arrive à cet homme? Il ne veut pas me laisser rester dans ce mariage aride et avoir la paix? Je sais que c'est père. Cet homme, ce vieil homme, m'appelle comme si je retenais son rein. En fait, il m'appelait plus tôt dans la journée. Imagine ce que j'ai fait. Je l'ai bloqué. Ok, là, c'est injuste. Il reste toujours ton père, souviens-toi. Bien sûr que je le sais, c'est également l'autre sien, mais attends, allez. J'ai juste découvert que c'est la seule manière d'avoir la paix. S'il te plaît, laisse-moi. Tu es terrible. Ma tête est bourrée avec cette merde dans laquelle je me suis foutue. Ah, vraiment. Mon prince, Ichi. Hey, votre Altesse, vous voir ici aujourd'hui chez moi, hein? Ichi, vous êtes mon père. Ok. Est-ce une chose mauvaise pour un fils de visiter son père? Non, j'ai pas dit ça, mais cette visite est très très royale. Hey. Merci, Ichi. Eh bien, Ichi, ma femme et moi sommes ici pour vous remercier pour le rôle que vous avez joué à notre mariage. Merci pour votre soutien. Vous n'avez pas besoin de me remercier pour ça, Son Altesse.
Vous voyez, vous nous rendez fiers. Nous sommes, en fait, nous sommes très fiers de vous. Hein? Très, très fiers de vous. Aïe. Ma femme et moi souhaitons aussi vous informer que nous sommes allés dans une agence de voyage pour préparer un visa canadien pour votre fils. Il ira à l'étranger pour continuer ses études. Attendez. Mike, mon fils? Hey, Guéné. Et c'est un projet caritatif que ma femme et moi avons décidé de mener pour aider les jeunes gens de cette communauté. Quiconque souhaite voyager à l'étranger pour étudier peut maintenant le faire. Ça, c'est magnifique. Incroyable. Hein? Ichi, c'est en fait un programme de bourse que nous voulons utiliser pour développer cette ville. Exactement. Hey, ça, c'est magnifique. Beaucoup plus que tout ce à quoi on rêvait. Hein? En fait, Dieu va vous bénir. Ici. Dieu va vous bénir et vous donner beaucoup d'enfants. Ici. Hey, en fait, votre union sera très fructueuse. Ici. Vos jours seront nombreux. Ici. Ton règne sera le règne le plus paisible dans tout ce royaume. Ici. Hey, Sa Majesté. Ici. Ça, c'est magnifique. Hein? Maintenant que vous avez parlé de règne, comme vous le connaissez, je suis maintenant marié. Effectivement. Alors j'aimerais savoir quelle est la prochaine étape. Quels sont vos plans pour mon couronnement? Sa Majesté, comme vous le savez, la décision finale ne repose pas entre mes mains. Je ne suis pas celui qui décide en dernier ressort dans cette histoire. Et tu sais, quand je parle de vous, je parle du Conseil des Anciens. C'est quoi le prochain plan? Sa Majesté, il me souvient qu'aucune décision n'a encore été prise à propos de cela. Mais je vous suggère d'être présent à toutes nos réunions, en fait, à tous nos conseils, pour que tout concourt à fonctionner bien. Ichi, chef. Vous tous m'aviez dit que je serais invité à la réunion quand ma présence sera requise. C'est vrai. Pourquoi donc est-ce que la dernière réunion a eu lieu sans ma présence? Majesté, oublie cette réunion. Oublie-la. Écoute, cette réunion était un peu n'importe quoi. Hein? Écoute, la vraie discussion, là où la vraie décision sera tenue, le jour du marché des quais. Et vous serez là. Tout le monde sera là. Hein? Vous inquiétez pas pour ça. Amara, sors de ma chambre. On dirait que tu ne me veux pas ici. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Dis-moi, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que je vais passer à l'acte? Sur mon lit conjugal? Eh bien, j'ai déjà été ici avant. Écoute, je me fous que tu aies été ici ou pas. Je me fous qu'on ait fait ça avant que je ne rencontre ma femme. Elle est celle que j'ai choisie et tu dois respecter cela. Si tu n'arrêtes pas ça, je vais arrêter de te donner de l'argent. Bébé, tu crois qu'il s'agit de l'argent? Tu crois qu'il s'agit de l'argent que tu me donnes? Oui, c'est vrai. Tu fais de ton mieux. Mais je veux plus que de l'argent. Je te veux. Amara, sors de ma chambre. Amara aura toujours ce qu'elle veut. J'ai attendu trop longtemps. Ne me pousse pas à bout. Amara, t'es en train de me pousser à bout. Je vais te faire quelque chose que je vais regretter. Je veux que tu sortes de ma chambre. Oh! Ou quoi? Prince Festus, je veux t'aider. Comment? Et dans quel aspect? La réunion du conseil demain. Qu'en est-il de la réunion du conseil demain? Tu vois, il se fait tard. Et quelqu'un peut nous voir ici et penser que... Parle-moi, Chief. Que se passe-t-il? C'est quoi le problème? Tu vois, à la réunion demain, quand ce sujet va être abordé, s'il te plaît,
accepte de prendre une autre épouse. C'est très important. S'il te plaît. Est-ce pour cette raison que tu m'as fait appel ici dans le noir? Mon prince, je voulais juste te faire comprendre l'intérêt sérieux de cette affaire. C'est très très important. Je te jure. D'accord. Viens avec moi. Ok. Ok. Ah. Hey. Maragna. Hey. Comment tu vas? Très bien. Tu m'as manqué. Tu m'as aussi manqué. Comment tu vas? Super. Alors dis-moi, comment était ta sortie? C'était cool. Je me suis très bien amusée. Vraiment? C'est génial. Et toi alors, qu'est-ce que tu as fait pendant que je n'étais pas là? Bébé, rien du tout. Tu sais que je m'en manquais, non? J'ai regardé la télé, manipulé mon téléphone et boire du whisky. Et c'est tout? Juste ça. Vraiment très ennuyeux. Je sais, je sais. Très bien. Ouais. Je veux qu'on parle. Parler? Et de quoi? De nous. De notre intimité. C'est quoi le problème? Bébé, nous devons juste parler de nos rapports sexuels. Oh, alors, bébé, écoute, écoute. Je ne voudrais pas que tu te mettes une quelconque pression. D'accord? Nous pouvons toujours continuer de cette façon et attendre ton moment. Non, d'accord, non, non, non. Bébé, tu ne comprends pas très bien. En fait, ce que j'essaye de dire, c'est que je suis heureuse du fait que nous ayons cette forte connexion, ce lien forçant, tu sais, sans avoir de rapport sexuel. Oh. Ça me fait peur. J'ai peur du fait que tu me repousses. Non, non, non. Écoute, bébé, écoute, écoute. Je n'irai nulle part. Tu sais, parfois, je me demande si c'est moi. Comment je peux t'aimer autant? Je veux dire, sans aucun attachement sexuel. Et puis je réalise que tu es un don. Peut-être que Dieu t'a envoyé à moi pour changer cette notion à propos de ce que je pensais par le passé, ce à quoi je me référais. Maintenant, je comprends que je t'aime beaucoup et je vais bien. Allez. Et je t'aime encore plus. Super, génial. Je ne cesse de t'aimer chaque jour qui passe. Je t'aime beaucoup, mon amour. Je t'aime également. Je t'aime. Tellement. Ouais, tu en veux? Non. Ok, c'est bon. Bon, ce whisky. Je dois m'assurer de détruire ce lien de merde qu'ils sont en train d'avoir. Je ne vais pas te laisser partir aussi facilement. Je dois mener ce combat. Après tout, je n'ai rien à perdre. Que je gagne ou que je perde. T'es rentré. D'où est-ce que tu sors? C'est bon, ça va. Si tu ne veux pas en parler, c'est pas grave. Il y a ce jeu que j'ai téléchargé, nous pouvons le jouer ensemble. C'est un jeu qui ne peut se faire que par deux personnes. Écoute. Joue. Tu sais bien que j'ai pas le temps pour ce genre de choses. Mais de quoi exactement tu es en train de parler, monsieur? Est-ce à moi que tu parles? Qu'est-ce que tu fais exactement dans ton temps libre si ce n'est pas de jouer au jeu comme ceci? Quelle est la différence de le faire avec moi? Pourquoi pas avec moi? Est-ce que tu peux t'entendre? Mon temps libre n'est pas notre temps libre. Je joue au jeu que j'aime
avec mon temps libre. Tu joues au jeu que tu aimes, avec ton temps libre. On ne peut pas tout faire ensemble. Je ne t'en veux pas. Tu n'es qu'un bâtard frustré. Non romantique, frustré, bâtard. C'est ce que tu es. Rends grâce à Dieu que ce mariage ait été arrangé parce qu'un homme comme toi ne mérite qu'une femme qui n'est intéressée que par son argent. N'importe quoi. Mon Dieu. Foutaise. Parfois, je me demande, les couples qui fêtent 50 ans, 50 ans de mariage, comment sont-ils arrivés à ça? Les femmes sont mélodramatiques. Comment est-ce que nos pères l'ont fait? Oh mon Dieu! Un idiot pas romantique. C'est ce que tu es. Franchement, mère, je dois dire que je ne profite pas du tout de ce mariage. Genre, Festus passe presque tout son temps à jouer au jeu. Il me parle à peine. Nous sommes comme de parfaits étrangers. Ah. Gabéré, avec le temps, tout ira bien. Vous apprendrez à mieux vous connaître. Tu es sa femme. Sois patiente avec lui. D'accord. Tout ira bien. D'accord, mère. Je viens déverser ma colère et ma frustration sur cette chose, cette malade. Tu sais ce qui m'étonne, c'est... Qu'est-ce qui lui donne tant d'audace? Ok, aussi malheureux et triste que ça en a l'air, la vérité est que cette fille est le problème de ton foyer. Parce que tout ce qu'elle fait, c'est se comporter comme une rivale à ton égard. Ce n'est pas possible. Hochin est beaucoup trop bien pour ça. Je sais que ça ne va pas très bien sonner dans tes oreilles, mais fais-moi confiance, toutes ces actions sont basées sur la rivalité. Foutaise. Par ici. Dépêche-toi, s'il vous plaît. Votre Altesse. À genoux, maintenant, les mains levées. Regarde-toi, au début, mon plan était de demander aux gardes de te fouetter, mais j'ai décidé de le faire moi-même, te fouetter, comme l'enfant que tu es, la ferme. Ne dis rien, les mains en l'air, maintenant, n'importe quoi. Pouvez-vous l'imaginer? Amara, c'est quoi le problème? T'as demandé à me voir. Ta femme et future reine m'a fouettée. Qu'est-ce que t'as fait? Que veux-tu dire par qu'est-ce que j'ai fait? Je suis leur esclave? Non. Je ne vais pas me laisser faire. Je vais porter plainte contre eux. Une plainte? Ah, Mara, t'es très drôle. Tu vas déposer une plainte contre qui? Mes salutations, Votre Altesse. Bonjour. Je ne suis l'esclave de personne. Je ne serai pas traitée comme une esclave. Je refuse d'être traitée comme une esclave. Je n'ai peur de personne. Amara, tu te comportes mal. Tu commences à mal te comporter et cela mérite. Tu dois faire très attention. Ne me dis pas de faire attention. Je ne ferai attention à personne. Je n'ai peur de personne. Maintenant, écoute-moi. La ferme et écoute. Amara, si tu crois que c'est à cause de ce qu'on ressentait par le passé qui te fait te comporter ainsi, tu ferais mieux d'arrêter. Parce que tu finiras par te mettre dans de gros ennuis. Reste loin d'Aduko. Elle va t'écraser. Je comprends. Maman, donne-moi 20 minutes, je suis en train de laver la voiture. Je veux rapidement la faire laver. Ouais, ouais, bien sûr. Votre Altesse. Écoute, je comprends. T'as entendu ce que j'ai dit? J'ai dit que je veux juste laver la voiture. Je veux juste qu'elle soit propre. Oui. D'accord. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas discuter au téléphone, moi. Je vais t'appeler aussitôt que je finis. Ok. C'est compris.
D'accord, passe du téléphone. Allô? Je voudrais avoir une discussion avec vous deux. D'accord, j'espère qu'il n'y a aucun problème, mère. Non, il n'y a aucun problème. Je veux juste vous éduquer un tout petit peu sur la maternité. Être une reine et aussi une petite discussion sur vos affaires conjugales, si ça ne vous dérange pas. Pourquoi? Ça ne nous dérange pas, mère. Ce serait un privilège et un honneur d'apprendre de toi. En fait, j'ai voulu avoir cette conversation il y a de cela longtemps, mais en même temps, j'ai d'abord décidé de vous laisser vous caser avant d'avoir cette discussion, ok? Parce que je vois quelques lacunes que je dois arranger. Vas-y, mère. Je dois commenter sur votre détermination. Et vous avez quelque chose que j'admire beaucoup, qui est la sagesse. Vous voyez, la sagesse est une vertu dont toute reine aura besoin pour gouverner son dédain. Mais il y a aussi quelque chose d'autre dont je dois parler. Et qu'est-ce que c'est, mère? La vertu de la mère poule. Vertu de la mère poule? Oui. Être reine fait également de toi une mère. Et cela ne signifie pas être seulement une mère pour tes enfants. Tu es une mère pour ton mari et pour tout le monde dans ce palais. Et même ceux qui sont hors de ce palais, ils sont vos sujets. Alors c'est votre devoir de vous occuper de leur bien-être, de les protéger, vous occuper de leur sécurité, peu importe ce que vous ferez, pour vous assurer que tout ceci est en place. Ça aidera vos maris à régner. Alors c'est pour ça que vous devez être de très bonnes mères pour tous. C'est compris, maman. Et autre chose. Toute reine doit s'asseoir à la droite de son mari. C'est comme ça parce que c'est comme ça que les dieux l'ont fait. Et vous devez protéger ce siège avec tout ce qui est en vous. Assurez-vous que personne ne vous arrache cette position. Et il y a un autre secret que je dois partager avec vous. Prince Uchina, si je meurs, mon sang sera entre tes mains. Amara! Qu'est-ce que tu essayes de faire? Et qu'est-ce que tu as entre tes mains? Amara, ne suis-je pas en train de te parler? Laisse-moi voir. Arrête ça. Pas question. Stop! Non. Non. Ma reine. Alors? Ma reine. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Parle. Ma reine, c'est Amara. Oui, qui a-t-il avec Amara? Ma princesse. Repars avec le plateau. D'accord, princesse. Merci, princesse. Chubuzo, reviens ici. Princesse? Va prendre tes affaires dans la chambre spéciale des servantes pour aménager dans la chambre générale des servantes. Ma princesse, s'il vous plaît, quelle est mon offense? S'il vous plaît, j'implore votre pardon. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Lève-toi. S'il vous plaît. J'ai dit debout. D'accord, princesse. Tu ne m'as pas offensée. Tu vas là-bas pour une mission. Merci, ma princesse. Merci de m'avoir jugée digne d'accomplir une mission. Merci. Hey. Oui, voilà ce qui s'est passé. Elle a failli se poignarder. Si je n'étais pas entrée, elle a arrêté. Hé hé.
Incroyable. Hé, hey, donc elle a voulu se suicider, tout ça à cause du prince Uchenna. Mais ce que le prince Uchenna fait était mal. Comment il peut traiter une femme de cette façon? Ce n'est pas bien. Si c'était moi. Bien que ça ne sera pas moi, parce que je ne peux pas me ôter la vie à cause de lui. Tu le sais, non? Tu sais. Parce qu'il n'est pas le seul homme sur cette terre. Il y en a beaucoup de poissons dans la rivière. Je ne peux pas l'essayer, fais-moi confiance. Je ne le ferai pas, je ne peux pas. Et je sais que ce que le prince Uchenna a fait était mal, mais... cela ne doit pas l'emmener à ôter sa propre vie à cause du prince Uchenna. Je ne me ôterai pas la vie, je ne le ferai pas. De toute façon, va regarder. Il y a quelque chose ne t'en fais pas. Regarder. Une autre fois, d'accord? Okay. Alors, maman, voilà le compte rendu de la réunion que j'avais avec le conseil des anciens. Ça ne se fait pas pour moi. Qu'est-ce qui ne se fait pas? Tu ne peux pas emmener une autre femme dans cette famille. Tes arrière-grands-parents ne l'ont pas fait. Même pendant ce temps où la polygamie était pour les riches. Mais ils ne l'ont jamais introduit dans leur lignée. Alors tu ne peux pas le faire maintenant. Maman, tu parles comme si je ressentais du plaisir dans tout ceci. Pourquoi est-ce que tu l'as accepté comme si tu l'avais planifié tout ce temps? J'ai accepté parce qu'ils allaient utiliser la prophétie du voyant pour arracher mon droit de naissance. Et tu le sais. Allez, fiston. Tu ne vas pas emmener une autre femme dans cette famille. Mère. Si c'est par rapport à ton droit de naissance, tu seras assis sur le trône. Personne ne te le prendra. Je te le promets. Mère. Je ne veux pas tourner à rond avec toi. J'ai donné ma parole aux anciens. Et elle demeure. Tu ne peux pas me désobéir. Tu n'emmèneras pas une autre femme dans cette famille. Je suis ta mère. Je ne vais pas rester te regarder prendre une décision désastreuse qui affectera cette famille. Allez, fiston, arrête ça. La femme que tu as épousée il y a à peine 3 mois, comment est-ce que tu l'as traitée? Oh, et tu vas emmener une autre femme dans cette famille. Ça n'a pas d'importance. Je pourrais également construire une autre relation avec la princesse d'Aberay. C'est pas une excuse. Laisse-moi te choquer, fiston. Est-ce que tu sais que la prophétie dont nous parlons est à propos de toi et de la princesse, et pas uniquement de la princesse? Je comprends pas. La prophétie dit que vous ne pouvez pas avoir d'héritier. Et que tu devrais faire attention à ne pas détruire ton chemin vers la paternité. Comment se fait-il que je sois au courant de ça maintenant? Parce que ton père, qui était censé te le dire, n'est plus en vie. Voilà, c'est pour ça. Attends. Donc ça n'a pas d'importance que j'épouse une autre femme ou pas? La prophétie parle de moi et le trône. Exactement. Ça veut dire que je dois pas épouser une autre femme? D'accord, je vais convoquer une réunion d'urgence. Et dire aux anciens cette partie qu'ils ont ratée. Non, 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 non. Fiston, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi, maman, pourquoi? Si je ne leur dis pas, ils me forceront à épouser une autre femme. Tu ne vas pas épouser une autre femme, fiston. Ces vieillards ont des cerveaux de moineaux. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Si tu leur dis ça, eh bien, ils penseront que les dieux t'ont remplacé. Et ils vont commencer à convoiter ce trône. Et ils vont nous arracher ce trône. Ok, maman, on fait quoi alors? Regarde, fiston. Tu vas devoir épouser une autre femme à cause de ton couronnement. Mère, tu me rends confus, là. Et si la nouvelle femme ne conçoit pas après le mariage, qu'est-ce qui se passera? Fiston, ne t'en fais pas. Avant cela, tu seras roi. Nous allons chercher comment détruire ce pont après avoir traversé la rivière. Ok, je suis avec toi. Merci, maman. Merci de veiller toujours sur moi. Je t'aime. Je t'aime aussi, fiston. Hey! Je vous en prie. Ne me faites pas du mal. Je suis la princesse. Vous ne pouvez pas... Je vous en prie. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Je suis la princesse. Non.
princesse, est-ce que tout va bien? Non, je vais bien. Qu'est-ce que tu veux? Rien, ma princesse. Je suis venue juste vous informer que votre père est en route pour ici. Quoi? Oui, ma princesse. Le garde en chef m'a appelé et m'a demandé si vous et la princesse Abéré êtes là avec vos maris. Il a aussi dit que le roi est en route pour ici avec deux anciens. Merci, je dois appeler père immédiatement. D'accord, ma princesse. Allô, père? Père, qu'est-ce que tu comptes venir faire ici? Je viens corriger l'erreur que ta sœur et toi avez refusé de corriger. D'accord. Père, ça ne sert à rien. Tu dois rentrer. On viendra te rendre visite demain au royaume d'Amoiseau. Je ne suis pas d'accord, ma fille. Vous ne devez pas venir en Moiseau, à moins que vous veniez me prouver que vous avez fait ce que je vous ai demandé de faire. C'est bon. Ma sœur et moi allons faire comme tu l'as recommandé. D'accord? Si tu n'as plus rien d'autre à faire ici, au royaume d'Amoiseau, je pense que tu devrais rentrer. Bien. Première chose demain matin. Je vous veux, ta sœur et toi. À Moiseau, avec preuve que vous avez fait ce que je vous ai ordonné de faire. D'accord, père. Ce sera comme tu veux. Qu'est-ce qui se passe, Red? Nous avons des sérieux ennuis. C'est quoi le problème? Père était sur le point de venir ici avec deux anciens pour exposer notre secret. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas chez papa? Pourquoi est-ce qu'il veut tout cacher? Tu sais ce qui m'inquiète véritablement? C'est que je viens de faire un rêve par rapport à ça. Tu es sérieuse? Tu sais quoi? Nous ne pouvons pas attendre demain pour aller au royaume d'Amoiseau. Nous allons le faire maintenant. Ok, très bien. Je vais conduire. Pas de garde, pas de servante. Laisse-moi aller chercher les clés de ma voiture. Ok. Ok, dépêche-toi, s'il te plaît. Mon amour. Amara, tu te comportes mal. Tu te comportes vraiment mal. Comment? C'est quoi ces choses que tu fais? Je veux dire, comment est-ce que tu peux expliquer tout ceci? Tu commences à éveiller tes soupçons. Ne comprends-tu pas ça? C'est de ta comment? Faute. C'est de ta faute. Et je demande comment? Parce que depuis que tu as épousé cette princesse, tu m'as abandonné. Tu n'as même plus mon temps. On ne fait plus ce qu'on avait l'habitude de faire. Tu ne viens plus dans ma chambre. On ne couche plus ensemble. Je ne te comprends même pas. Comment veux-tu qu'on fasse les choses qu'on avait l'habitude de faire alors que je suis déjà marié? Ok. Tu ne comprends pas? Je suis marié. Alors je veux que tu te respectes, d'accord? Arrête tes bêtises. Et si tu continues à les faire, je vais te jeter hors de ce palais. Tu vas faire tu quoi? Tu as compris. Et ce n'est pas une menace. Respecte-toi. Je ne veux pas être un mari adultère. J'ai ma femme. Cet amour grandit doucement. Je ne veux rien faire qui puisse la blesser. Ne le comprends-tu pas? Respecte-toi. À une condition. Amara, tu sais que tu as beaucoup de cran. Tu as le cran de me conditionner, moi, le prince. Ok. Sache que tu as perdu ce respect. Quand tu as commencé à coucher avec Edom, ne t'attends pas à ce que je te donne un traitement royal. T'es folle. Tu m'aimes comme ça. Eh bien, tu vas continuer ta relation avec moi. Tu vas continuer à coucher et à te faire disponible pour moi, comme je veux et quand je veux. Voilà la condition. Bon, ça n'arrivera pas parce que c'est terminé. Maintenant, écoute-moi. La dernière fois qu'on l'a fait, je n'ai pas aimé. Tu mens. Pas du tout. Je luttais contre moi-même. Et c'est parce que je regrettais tout ça. Alors je te le dis maintenant, c'est terminé. Mais t'as deux options. Soit tu fais avec et tu restes, ou tu sors de ce palais. Je ne vais plus t'avertir. C'est moi qui mérite d'être utilisée et jetée? C'est ça que tu essayes de me dire? Tu es en train de me dire que c'est fini entre nous? Nous en avons terminé. Ce n'est pas terminé. C'est fini. Ce n'est pas fini. Nous n'en avons pas terminé. Tu ne peux pas m'utiliser et me jeter. Père, est-ce que tu sais que cette situation est capable de nous détrôner en tant que princesse et nous faire perdre ton trône? Je préfère perdre mon trône.
que de laisser une calamité derrière pour mon successeur. Papa, c'est le même trône pour lequel nous avons beaucoup souffert. Le même trône pour lequel nous avons sacrifié notre bonheur. Et tu veux que nous le perdons juste comme ça? Ta sœur et toi avez choisi de ne pas être raisonnables. Alors je dois faire ce que je dois faire. D'accord, c'est bon. Ce n'est pas bon. Je ne vais pas l'accepter. Tu veux tout dévoiler? Ok, vas-y. Oh oui, viens en maudit qu'il lave ton linge sale en public. Et on verra comment le destin va te ramener à Omozo. On dirait bien que vous avez oublié que je suis un vieillard. J'ai roulé ma bosse. J'ai régné avec prestige. Si je meurs, aujourd'hui je laisse cette terre, je mourrai comme un homme honorable. C'est toi. Et c'est toi qui passerez le reste de vos vies dans la honte, probablement en exil. Je ne sais pas pour toi, mais je ne laisserai pas Père contrôler ma vie pour sa carrière politique, comme si j'étais un sac de cartes. Tu sais, je ne savais pas que Père était aussi égoïste. Il est tellement égoïste. Et extrêmement méchant aussi. Et ça, c'est la dernière fois que nous irons le voir. En vérité, nous allons changer la donne. Comment ça? Très simple. Nous ferons juste le possible pour qu'il ne puisse pas nous identifier. Tu sais que c'est complètement impossible. Il nous a élevés tout seuls jusqu'à ce qu'on devienne les femmes que nous sommes aujourd'hui. Alors comment ce sera possible pour lui de ne pas nous identifier? Oh, ouais, peut-être c'est vrai. Mais nous devons absolument trouver un moyen. Quel moyen exactement? Je ne sais pas encore comment. Mais nous devons trouver un moyen. Ok, d'accord. Est-ce que tu veux mourir comme une princesse abattue? Je préférerais me suicider que de laisser ça rester dans ma tête, me troubler toute ma vie. Très bien, Sarah. Peu importe la solution que tu vas trouver, tu as tout mon soutien. C'est notre bataille et nous devons la mener. C'est tout ce que tu as entendu? Ils n'ont parlé de rien d'autre? Oui, ma princesse. C'est tout ce dont ils ont parlé. D'accord, merci. Tu peux partir. Je vous en prie, princesse. Merci, princesse. Bonjour, mon prince. Bonjour. Princesse, comment tu vas? Comment tu te portes? Bien. On dirait que c'est le contraire. C'est quoi le problème? Je n'ai pas de problème. Je vais bien. Écoute, je sais que ça ne va pas. À moins que tu ne veuilles pas me dire. Je ne veux absolument parler de rien. Je n'ai aucun problème. Mon mari? Est-ce que tu es sûre de ça? Oui, ma princesse. J'ai entendu le chef de garde causer avec l'un des anciens qui est venu avec le prince. Pourquoi est-ce qu'il me cache cela? Je ne sais pas, ma princesse. Est-ce que la reine est au courant de ça? Oui, ma princesse. Il a dit que c'est la reine qui a fait l'arrangement pour le cadeau et la venue de la nouvelle femme demain. Ils sont malades. Ils sont vraiment malades. Comment peuvent-ils penser me faire un truc pareil? Je suis désolée, ma princesse. Tu peux partir. D'accord, ma princesse. Quel genre d'homme es-tu?
Est-ce que tu as un tout petit peu de respect pour moi au moins? Princesse, s'il te plaît, calme-toi. Ne me demande même pas de me calmer. Ne me demande pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Donc tu avais l'intention de ramener quelqu'un dans cette maison sans même me le dire? Écoute, je ne l'ai pas encore accepté. Je cherche encore un moyen de contourner ça. Ne me dis pas cela. Ça ne justifie pas le fait que tu ne me l'aies pas dit. Eh bien, je ne sais pas quoi d'autre te dire. Eh bien, comme tu ne sais pas quoi me dire, moi je sais ce que j'ai à te dire. Et ce que j'ai à te dire, c'est ceci. Tu ne vas pas ramener une autre femme dans cette maison. Pas quand j'essaie encore de trouver ma place dans ta vie. Tu es ma femme. Et la future reine du royaume au Moudiqué. Quelle autre place est-ce que tu veux? Ton cœur. Festeuse, ton cœur. Qu'en est-il de bâtir une relation amoureuse? Qu'en est-il de cela? Oh, et ne me dis pas que ceci était un moyen pour avoir le trône. Oh, s'il te plaît, ne me fais pas du chantage émotionnel. Tu m'as aussi épousé à cause du trône. Donc c'est comme ça que je vais passer ma vie? Juste comme ça, n'est-ce pas? Comme ça? Non, attends. Alors c'est la raison derrière ton comportement bizarre à mon égard? C'est ça? Tu sais, parfois je me demande, et je suis sûr que tu te le demandes aussi, comment Dieu à créer des femmes comme ça. Tu peux dire tout ce que tu as envie de dire, mais ma position reste la même. Tu ne ramènes pas une autre femme dans cette maison. Et je suis sérieuse. Je suis le prince héritier du royaume Moudiqué et le futur roi. Et je peux épouser autant de femmes que je veux. Et même pas ma mère ne peut m'arrêter. Alors, ne me défie pas. Je ne vais pas seulement te défier. Je te défie de ne pas me défier. Tu ne vas pas amener une autre femme dans cette maison. Et je ne partagerai jamais mon lit avec une autre femme. Ma princesse. Ma princesse. C'est bon. Maman, tu es au courant de ça? Oui. Mais je ne savais pas qu'il ne te l'avait pas dit. Donc, tu supportes cela? Oui, ma chère, parce que ça a à y voir avec le trône de son père. Maman, pourquoi est-ce que tu supportes un truc pareil? C'est complètement injuste pour moi. Je suis une nouvelle mariée, on doit me traiter de la sorte. Je n'ai même pas encore profité de mon mariage et subitement une autre femme va venir de nulle part. Moi-même, je ne suis pas du tout d'accord avec la polygamie. Mais dans cette situation, après ces explications... Il doit servir le trône. Je ne suis pas d'accord avec cela et je ne vais pas donner mon consentement. Mais ton mari avait déjà pris sa décision avant même de me le dire. J'ai tout donné dans la quête de maintenir les coutumes de nos ancêtres, qui étaient de maintenir nos royaumes comme un seul. Vous m'avez appelé. J'espère que tout va bien. Tout va bien, Ono. C'est juste que j'ai un petit souci ces derniers temps. Je me suis dit que je devais en parler avec toi. Votre Altesse, qu'est-ce qui dérange le grand roi du royaume de Mazou? Eh bien, Ono, je ne sais à quoi. Ça aurait l'air devant les membres du conseil. Mais je veux d'abord connaître ton point de vue. Avant de leur en parler. Mon roi, vous pouvez toujours compter sur moi. Parlez. D'accord. Merci beaucoup. Je pensais à mon beau-fils. Le prince Uchina. Comment le rapprocher davantage de notre peuple? Au moins, pour s'habituer à nous. Avant d'accéder au trône. Mon roi, ça c'est une bonne idée. Et je suis sûr que le conseil des anciens va également l'apprécier. Cela lui donnera l'opportunité de le rapprocher de nous, et comme ça il nous connaîtra et connaîtra mieux notre culture avant d'accéder au trône.
Mais vous savez que nous avons toujours des petites différences, bien que nous prétendons toujours être un. Oui, Majesté. Oui. Oui, je comprends. Ah. Onuara, vraiment désolé, je devais régler une urgence. Je comprends. Désolé. Comment allez-vous? Ah, je vais bien. Où est-elle? Elle est dehors. Tu l'as laissée dehors? Comment as-tu pu faire ça? Une future reine, dehors? Je vais dire à quelqu'un de la faire entrer. Qui est là? Garde! Garde! Ok, s'il te plaît, va là dehors et amène-moi la fille qui est devant la porte. Je croyais que nous devions avoir une autre conversation avant de la faire entrer. Oh non, ce n'est pas le temps pour le plaisir. D'abord, affrontons ceci. Bonjour, ma reine. C'est qui ça? C'est Bianca, la jeune fille dont nous avons parlé. Garde! Emmène-la, fais-la sortir. Dehors! Excusez-moi. Oh non, comment as-tu pu faire une chose pareille? Comment as-tu pu faire venir un vulgaire porc dans mon palais? Comment? Ma reine, cette fille est belle! Tu as dit belle? La beauté a vraiment un autre sens chez toi. Oh non, est-ce que tu... Peux-tu coucher avec cette fille? Comment est-ce que tu peux dire que cette chose est belle? Ce porc! Écoutez, vous êtes ma personne. Je ne peux vous recommander quelque chose qui ne vous convient pas. Cette fille fera une bonne femme, c'est une bonne... Oh non, arrête ça! Arrête ça! Mon fils est marié. La femme de mon fils est classique et belle. Avec de très belles courbes. Tu devais venir avec quelqu'un qui pouvait au moins avoir sa classe. Même si ça n'atteint pas son niveau. Mais tu as emmené un vulgaire Porsche. Comment? Une reine de classe. Je sais que vous êtes une reine classique, hein? Ne vous en faites pas, j'ai un plan B. Salutations, Votre Altesse. Salut. Bonjour, Votre Altesse. Bonjour. Ton visage m'a l'air familier. Qui es-tu et d'où viens-tu? Votre Altesse, vous me connaissez. Je m'appelle Bianca. La sœur d'Oba, votre laveur de voiture. Oh, oui. Je vois, comment tu vas? Je vais bien, Votre Altesse. Très bien. Alors, comment va ton frère? Il va bien. Ah, ça fait un bail. Je sors pas trop longtemps avec mon chauffeur. Ok, salue-le de ma part quand tu rentreras à la maison. Ok, je le lui dirai, monsieur. D'accord. Bye bye. Est-ce que tu es au courant que la cuisinière a ta photo sur l'écran de son téléphone? Tu parles, Amara. Il n'y a qu'une seule cuisinière dans ce palais. Allez, bébé, regarde, je voulais juste me rassurer. Es-tu aussi au courant qu'elle a un bug pour toi? Comment t'es au courant de ça? J'ai vu ta photo sur son téléphone. Je lui ai posé des questions. Et elle m'a dit que c'est toi qui lui as acheté le téléphone. Oh, écoute, je sais pas de quoi tu parles. Ce que tu dis n'a même pas de sens. Waouh! Ce que je dis n'a pas de sens. Ok. Je vais te dire ce que moi je pense. J'ai toujours eu ce sentiment qu'il y a quelque chose qui se passe entre vous deux. Alors j'ai décidé de te demander... Et puis quoi? Pour faire quoi? Échanger envers moi? Ok, c'est pour ça que tu as changé de comportement, n'est-ce pas? Tu te comportes bizarrement vers moi, c'est ça la raison. C'est à toi que je pose la question. Allez, oublie ça. Cette fille n'a pas arrêté de faire le bras de fer avec moi dans ce palais.
Elle se comporte comme si j'étais sa rivale. Et cela m'a poussée à me poser des questions sur beaucoup de choses. Oui, et des questions comme... C'était quoi la relation que vous aviez tous les deux avant que je n'arrive dans ce palais? Je veux dire, tu lui as acheté un téléphone. C'est quoi le lien? Écoute, bébé, ça n'a pas de sens, ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut rien du tout. Est-ce qu'on peut oublier ça, s'il te plaît? Je veux connaître. Ok, en fait, le truc, c'est qu'elle me faisait souvent des courses spéciales, d'accord? Tu vois, une ou deux fois par là, elle a perdu son téléphone et j'ai décidé de le remplacer, c'est tout. Est-ce que je serais en train d'aller trop loin si je décidais de faire des recherches sur ces courses spéciales qu'elle faisait pour toi? Tu es sérieuse, bébé? S'il te plaît, j'aimerais savoir pourquoi la prophétie est contre moi. Qu'est-ce que ma femme et moi avons fait à Uchuku, au Kiabian, pour qu'elle soit si en colère contre nous, même avant qu'on se marie? Qu'est-ce qu'on a fait? Mon fils, le temps, les circonstances, ainsi que la vie, sont déterminés par Chukwu Kekabiama. Il a un plan pour l'humanité et il travaille en fonction de son plan. Personne ne peut le questionner. C'est pour ça qu'on l'appelle Chukwu Kekabiama. Naï, s'il te plaît, fais-moi comprendre. Tu parles en parabole. Qu'est-ce que tu veux dire? Le soleil a décidé de se coucher au sud cette saison. Rentre à la maison, mon fils. Tout ira bien pour toi. Je t'en prie, rentre chez toi. Merci, Naï. Quel est ton point de vue concernant la demande des anciens qui veulent que j'épouse une autre femme? L'homme propose et Chukwu Kekabiama dispose. Je suis tellement contente qu'ils aient accepté le sacrifice. Oui. Je suis contente, fiston. Maman, moi également, je suis très content. Maintenant, je suis libérée de la demande des anciens d'avoir une autre femme. C'est fini. Je sais, fiston. C'est que, en fait, j'ai toujours su que Chef et Logo avaient un autre plan. Et il est venu avec ce drame que tu devais avoir une autre femme. Je savais qu'il tramait quelque chose, mais je veux plaider avec toi. Donc, continuons avec lui et sachons où il va. Non, 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 non. Non. S'il te plaît, maman. Dans ma vie, j'ai plus envie d'avoir une autre femme. D'accord? Je mérite un véritable bonheur. Et je veux commencer à construire une relation sérieuse avec la princesse Tabéré. Mais je n'ai pas dit que tu ne le méritais pas. Tu le mérites. Oh, s'il te plaît, gardons-les là-bas. Au bon moment, nous allons les remettre à leur vraie place. Ok? Juste un peu de temps. S'il te plaît. Maman, j'en sais rien, je sais pas. Merci. Je sais pas. Ne me remercie pas, je... Es-tu sûre de ça? Oui, merci. Juste un tout petit peu de temps. Je croyais que tu avais dit que nous en avons terminé. Pourquoi m'as-tu fait venir ici? Si ce n'était pas à cause du respect que j'ai pour toi, je n'allais pas venir ici. Ferme-la. Ferme-la. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu quittes ce palais. Quoi? T'as bien entendu. Quitte ce palais. Écoute, je le dis gentiment car je ne veux pas des ennuis. D'accord? Donc, je veux que tu quittes ce palais dans la paix. J'ai des meilleures façons de le faire. Je pourrais okay. juste relever des défensions et te mettre au dos, mais je peux pas faire ça. Fais tes bagages et va-t'en, s'il te plaît. Toutes ces grimaces que tu fais n'ont vraiment pas de sens. Je te parle gentiment maintenant. S'il te plaît, quitte le palais. Je ne veux pas que tu commences à dire que j'étais utilisé puis te jeter. Tu sais, j'ai pas fait une telle chose, donc respecte-toi et va-t'en, s'il te plaît. Ah, ah. Bébé, tu ne peux pas faire ça.
Je ne peux pas laisser 4 ans de notre vie aller aux oubliettes. Je ne vais pas les laisser juste comme ça. Tu sais que tu es mon amour. Tu es tout ce que j'ai. Je n'irai nulle part. Tu dois... Tu... Ouais. Mon prince, la princesse d'Abéré veut vous voir. Ouais, d'accord. Tu peux partir. Ok. Tu dois arrêter de pleurer. Je n'aime pas la façon dont tu pleures pour cet idiot. Tu dois arrêter. Rappelle-toi que pleurer est un signe de faiblesse. Pourquoi est-ce qu'il me traite comme ça? Pourquoi? Honnêtement, à ce niveau, je crois que je dois appeler père. Tu n'as pas besoin d'aimer les pères à ceci. Je vais rester à tes côtés. Montrons-leur qui nous sommes vraiment. N'aie pas peur. C'est aussi notre bataille, d'accord? Ils doivent comprendre que tu as une jumelle ici au palais, prête à se battre pour toi. Merci. Maintenant, fais-moi un sourire. Ça fait mal à tes adversaires quand ils te voient rayonner au milieu des flammes. Mets-les au pas. Si possible, rugis. Fais-moi confiance, je vais tellement rugir et dévorer tout ce qui est mangeable. Fais-moi confiance. C'est de ça que je parle, Serette. D'accord? Tu crois qu'être une princesse te donne le droit de me défier? Ne commets aucune erreur. Je vais te briser et te mettre sur ta place. Oh, vraiment? Où est ma place? De quelle place es-tu en train de parler? Parce que je ne te comprends pas, en fait. Tu es une femme. Et ta place est de subvenir à mes besoins. Et aussi... Tu ne m'as pas rendu ta femme. Est-ce que tu l'as fait? Non. À part subvenir à tes besoins, c'est aussi mon devoir de te soutenir à accomplir ton destin, notre destin de régner sur les gens de ce royaume et amener ce royaume au summum. Maintenant, ta décision de prendre une seconde femme ne marchera pas avec moi parce que je combattrai n'importe qui ou n'importe quoi qui osera se placer sur mon chemin. Je serai reine non seulement dans le royaume d'Omodike, mais également dans le royaume d'Otu. Bonne chance pour toi de te battre avec le conseil des anciens. Parce que c'est eux qui sont derrière tout ça. Tu sais, en ce qui me concerne, j'ai pas besoin d'une autre femme. Mais ton audace, ton cran, ton arrogance a remué en moi de te prouver que je suis un homme. Et j'ai le dernier mot. Oh, vas-y, et aie le dernier mot. Mais assure-toi que le vent va chasser tous ces mots et que tu n'auras plus aucune trace d'eux. N'importe quoi. Mon prince, vous m'avez appelé? C'est à propos de ce que t'as vu. Je n'ai rien vu, mon prince. La ferme. Essayes-tu de te moquer de moi? Je ne voulais pas vous offenser, mon prince, mais... j'ai choisi d'effacer peu importe ce que j'ai vu de ma tête pour pouvoir garder ma santé mentale. Donc tu essayes de dire que tu ne diras rien à ma femme, à la princesse? Comme je l'ai dit, mon prince, j'ai effacé tout ce que j'ai vu. Et ça, c'est parce que... je ne voudrais pas que la princesse Adogo soit encore blessée. J'ai vu la douleur qu'elle a ressentie quand elle a vu vos photos dans le téléphone d'Amara. Mon prince, lui dire, ce serait comme remuer le couteau dans la plaie. Je ne voudrais pas qu'elle soit encore blessée. Oh, merci. En fait, c'est gentil de ta part. Je vais te récompenser, donne-moi ton numéro de compte. Ce ne sera pas nécessaire, mon prince.
ce n'est pas nécessaire de me récompenser, étant donné que je n'ai rien fait du tout. Allez, écoute. Ce n'est pas comme si je te donne juste cet argent. C'est juste un signe d'appréciation pour avoir pris soin de ma femme. Accepte-le, hein? Accepte. Non, mon prince. J'insiste. Donne-moi ton numéro de compte. Ok. Mais à une condition. Que vous n'aurez plus jamais rien à voir avec cette espèce de taré. C'est promis. Juste, donne-le-moi. 00. 3-9. Oh, non mais ça c'est extrêmement beau. Attends, mais c'est magnifique. Regarde-moi ça. Oh mon Dieu. Waouh, ça c'est vraiment très magnifique. Tout est tellement très beau. Merci beaucoup. Tu sais, je ne pensais pas qu'un homme comme toi pouvait avoir si bon goût sur des accessoires féminins. Eh bien, peut-être que c'est parce que j'ai été élevée par une reine. Et tu as raison. Ouais. Et tu sais vraiment comment me traiter comme une reine. De toute façon, je suis content que tu aies aimé ce cadeau. Toute femme classe et qui a bon goût apprécierait tout ce que tu m'as acheté aujourd'hui. Merci beaucoup, chérie. Allez, c'est rien. Pas de quoi. Viens là. Tu mérites un baiser. Alors, embrasse-moi. Hey, juste ça. Allez, ne sois pas si gourmand. Oh, c'est bon, mais bébé, tu sais que 3 mois, ce n'est pas 3 ans, n'est-ce pas? Et quelqu'un décide finalement de parler. Bien sûr que je parle, je veux dire. Mais mon enfant qui pleure, un jour il finira par parler. Ouais, il dira qu'il a faim quand il aura faim, tu vois. Allez, c'est moi que tu es là. D'accord, viens, viens, on fait un petit peu. Papa. Oh, je dirais que t'aimes pas quand je te garde comme ça. Putain, non. Avant que je ne le sache, comme je l'ai dit, avant que je ne le sache, ting, ting, alerte. 100 000 naira. Hein? Tu n'es pas sérieuse. 100 000 naira? Je t'assure. Hey! J'étais choquée. Mais j'ai dû me calmer, me ressaisir, pour que... qu'elle ne comprenne pas. Hmm? Je te fais confiance. Donc, c'est comme ça que j'ai dit non. Qu'il faut que je t'appelle. Manon, Chico. Toi, je sais ce que tu peux faire. Merci vraiment beaucoup de te souvenir de moi pendant ton moment de plaisir. Tu peux le dire. Je te fais confiance. Hey! Comme si je pouvais échouer. Hein? Tu penses que je peux échouer? Je sais, non. Je ne peux jamais échouer. Mm-hmm. Je ferai mon travail et je mangerai l'argent. Mm-hmm. Au même moment, nous dans les cha-cha. Mais attends, oh. Et si ça arrivait encore et ta preuve disparaît, comment tu vas faire? Ah, preuve? Le relevé bancaire est la preuve. Voilà la véritable preuve. Alors ne t'en fais pas. Profites-en bien. Ok, oh. Mais Otibozo, tu dois faire très très attention. Oui, comme tu les as rejoints dans le jeu, tu dois faire très attention, oh, avant de t'attirer des ennuis. Ne t'en fais je pas. Je ne suis pas là, oh. Je ne vais pas m'attirer des ennuis. Ne t'en fais pas. Profite juste. Régale-toi. Je n'en veux pas, oh. Mais tu régale-toi. Je me régale. Régale-toi. Laisse-moi rapidement encore merci. Le finir. Que veux-tu dire? Dis-moi merci. Pourquoi je vais te dire merci? Le roi Akumba. Les os du lion devient de plus en plus faible. Et la nuit commence peu à peu à tomber. Je ne peux pas laisser le trône de mes pères à l'incertitude. Je dois faire le nécessaire maintenant. Je dois le laisser entre les mains de mon beau-fils. Nigga!
Igwe, Igwe. The black lion of Amaz to the great crocodile, oh no, Jaderema. Igwe Agumba, okay. Je te bénis, fiston. Umozeke ne munwa. Hey, munwa. Hey, zonu. Hey, omwanu zonu. Umudi kekele munwa. Hey, munwa. Hey, zonu. Hey, ase komwanu zukwanu. Igwe. Je vous en prie, asseyez-vous. Igwe. Aujourd'hui, moi, le roi, Agumba, Okago, du royaume d'Umodu, dans la ville d'Umwazu, je veux laisser la place à Uchina. Oui, comme le légitime roi du royaume d'Umodu. Je ne suis pas en train de le laisser à ma place parce que je suis fatigué de diriger notre peuple. Mais parce que je veux m'asseoir ici et te regarder commettre des erreurs et t'aider à les corriger. Igirgi. Igirgion. Prince Uchina, s'il te plaît, avance sur le trône du royaume d'Udu. Mets-toi genoux devant le trône du royaume d'Udu. Oh non, Votre Altesse. S'il te plaît, avance et exécute le rite du couronnement. Prince Uchina, je vous couronne en tant que roi du royaume d'Umwazu et aussi vous donner l'autorité du royaume d'Azu entre vos mains. Il est couronné au... Don Igwe! Igwe! Ah, Kora, bien. Majesté. Agumba Kegwa. Folie. Folie. Foutaise. De la politique. De la pure politique. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tu es enragé comme un lion? Pourquoi est-ce que ton père peut faire en sorte que mon petit frère soit supérieur à moi? Est-ce que j'ai vendu mon droit de naissance d'une quelconque manière? Et comment ça?
Je suis le premier-né de ma famille. Le prince héritier, Dodo. Pourquoi est-ce que ton père prononce, ou plutôt déclare Uchenna comme le dirigeant du royaume Dodo, faisant de moi moins que rien à mon frère? Pourquoi? Ça, c'est la tradition. Umuazo est à la tête du pouvoir. Alors, peu importe celui qui épouse l'aîné, il devient automatiquement dirigeant, qu'il soit l'aîné ou pas. Je sais pourquoi ton père l'a fait. C'est parce qu'il ne veut pas que le pouvoir du royaume Dodo quitte sa ville. Et je le jure, je vais le ramener ici. Parce que c'est à moi que ça appartient. Et je ne vais pas me prosterner devant mon petit frère. Jamais! Jamais! Ok, c'est bon maintenant. C'est vrai que je suis ton épouse. Mais je ne vais pas rester là assise à t'écouter parler de mon père n'importe comment. Je ne vais tolérer aucune forme d'injure de ta part. Si tu ne comprends pas la façon de diriger ou la tradition à Odo, pourquoi est-ce que tu n'essayes pas de te renseigner auprès des membres du conseil? Je ne demanderai rien à personne. Ils ont établi les règles et nous ont dit qu'elles venaient des dieux. De cette façon, on tremblerait et vivre selon elles par la peur. Non, pas moi. J'en ai terminé avec cette merde. Je ne sais même pas pourquoi j'ai consenti avec tout ceci en premier lieu. Dans ce 21e siècle, dis-moi, qui vit selon ces primitives et stupides traditions établies par un tas de stupides illettrés? Qui? Ah! Donc, parce que la tradition n'était pas favorable, elle est subitement devenue primitive et stupide. Si tu es ma femme... Tu dois être à mes côtés et t'assurer que nous ramenons le pouvoir du royaume ici et pas t'asseoir à rire de façon stupide et bêtement comme une femme de marché. Tu te moques de moi? C'est ça, tu te moques de moi? Prince Festos, maintenant laisse-moi te faire comprendre quelque chose. Je suis très satisfaite et confortable de ma position en tant que reine ici en Doux. J'ai pas besoin d'être la reine-mère pour avoir de l'impact. Même à mon niveau, je suis capable d'impacter. Et laisse-moi te donner un petit conseil. Ne pense même pas à te battre contre ton frère. Je ne vais pas seulement me battre contre lui, mais je vais aussi le combattre. Cet idiot a confortablement pris ce qui m'appartient. Et je vais lui faire la peau. Alors, vas-y. Voici la clé de la chambre sacrée. Peu importe quand tu voudras communiquer avec tes ancêtres, va là-dedans. Mais souviens-toi, tu dois t'enfermer à l'intérieur. Et personne ne doit te voir entrer. Qu'est-ce que cette chambre a de si sacré? C'est pour la fortification, contre toute forme d'adversité. Peu importe quand tu affronteras n'importe quel défi, ou situation difficile entre tes mains, va là-dedans. Et raconte tes douleurs. À tes ancêtres, tu seras stupéfait quand tu sortiras de cette chambre. Pour faire face à la même situation, tu seras stupéfait des résultats. Oh, père, si ça ne te dérange pas, je voudrais, tu sais, voir cette chambre. Laisse-moi juste lancer un regard, connaître ce qui se passe. Je savais que tu allais être curieux de la voir. Ne t'en fais pas, je vais te la montrer, mais pas aujourd'hui. Père, je... Le bonheur sur le visage de mon père m'apporte la joie au cœur. Je suis un homme accompli, ma fille. Toi, ma fille Uchenna, elle est responsable du sourire de mon visage. Ça me fait plaisir de t'entendre dire cela.
Allez. Père, nous sommes contents. Je veux dire, t'es une source de bénédiction pour nous. Nous t'apprécions, père. Merci. Merci pour tout. Merci. Excusez-moi. Ouais, allô? Excuse-moi. D'accord, père. Ouais, est-ce que vous êtes déjà là? Tu crois que tu es intelligent? Tu n'as encore rien vu. Je vais te montrer que je ne suis pas seulement le premier-né de cette famille. Par erreur. Je ne comprends pas ce que tu dis. J'ai fait quelque chose de mal. Pourquoi tu me parles comme ça? Remets-moi mon droit de naissance. Remets-moi mon droit de naissance. Unoshi, tu ferais mieux de faire tes bagages et revenir ici. Au monstre, comme le seigneur Doudou. Que tu le veuilles ou pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien. Tout va bien. Mère, conseille-moi. Si une femme entre dans ce palais et prétend être la reine-mère du royaume d'Odou, vas-tu joyeusement la recevoir et la féliciter? Ouvrir grandement tes bras? Fiston, j'occupe cette position en tant que reine-mère, simplement parce que le roi a perdu sa femme. Je vais remettre ce poste à la prochaine réunion du conseil à la princesse Adaogo. Ce trône n'est pas à toi. Ramène ton attention là où ça devrait être. Je n'appartiens pas à la médiocrité, mais au végétarien. Le pouvoir est mon droit, et je le prendrai. Répète ces mots à ton fils. Festus, tu cherches sur qui déballer ta colère. Je ne t'arrêterai pas. Vas-y et bats-toi avec ton frère et je verrai où ça te conduira. Je savais que tu allais le soutenir. Après tout, il est ton fils préféré. Tu dois être très stupide de te placer devant moi et de dire de telles sottises. Ne va pas là dehors organiser ton couronnement. Reste là à raconter des bêtises. Parfois, je me demande si c'est moi qui t'ai mise au monde. Mère! C'est pas juste. Dégage. J'ai dit sors de ma chambre. D'accord. Ah, laissez-moi vous aider. Merci. Excuse-moi. D'accord, princesse. Allô, Serette? Quoi? Papa est mort? Ma princesse! Comment? Princesse. Oh, désolée, ma princesse. Agumba, oh, yeah, when I was a body, no, 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 get when I'm quiet.
Hey! Oh, c'est si un âge. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Conseil des anciens du royaume d'Omodike, avec la permission de tous les anciens du conseil, je vous souhaite la bienvenue. Mes chers membres du conseil de Moiseau, je vous souhaite également la bienvenue. Oh non, oh. Maintenant que notre père est allé se reposer auprès de ses ancêtres, je crois qu'il est temps pour nous de faire appel aux voyants pour qu'ils fassent le nécessaire. Quel nécessaire ? Que son cadavre soit enterré. Pourquoi avez-vous besoin du voyant? Vous voulez savoir s'il va toujours revenir ou pas? Comment oses-tu m'interrompre? Tu as perdu la tête? Hein? Festus. Quoi? Quoi? Comment viens-tu de m'appeler? Hein? Chut. Écoute, Festus. Écoute, assieds-toi ou excuse-nous. Tu dois avoir perdu la tête. Abomination! Tu dois vraiment abomination. Être stupide. Vous aussi, abomination à vous tous. Vous êtes tous des idiots. Une fois que je serai roi, je vais dissoudre ce conseil d'anciens. Des vieillards stupides et idiots. Qu'est-ce que ça veut dire, Festus? Festus, Hikaniba. Sauce-course. Festus, Inago. On va tout voir dans ce royaume. Je suis le premier-né de mon père. Et le prince héritier de Modike, ce qui me rend automatiquement le prince héritier du royaume d'Odou et l'héritier légitime au pouvoir. Pourquoi donc je dois me prosterner devant mon petit frère? Pourquoi? Connaissez-vous le nombre d'années qui me séparent de ce garçon? J'étais encore à l'école primaire quand il est venu au monde. Je ne pourrai jamais me prosterner devant lui. C'est une assurance pour mon destin. Qu'est-ce qui est drôle? Prince Festus. Hein? Chai. Prince Festus. Tous ici, nous savons que tu es le premier fils de ton père. Personne n'en dit confiance. Oh, je ne savais pas que vous étiez au courant. C'est pour cela que tu dois rester dans le royaume de ton père. Comme l'héritier du trône de Modike. Ta femme est censée partir avec toi. Et pas toi d'y aller avec elle. C'est pas important si je pars avec Dabiriti ou pas. Ce qui est important pour moi, c'est le pouvoir d'Odo. Voilà ce que je veux. C'est tout. Arrêtez de tourner autour du pot. Mon prince, s'il vous plaît. Laissez tomber cette discussion. Vous ne pouvez pas l'avoir. Même si nous voulons faire des changements dans notre coutume, pas ça. Oui. Vous ne pouvez pas épouser deux sœurs. Ce n'est pas possible. Mon prince. Ce sera un sacrilège. Oh, oui. Deux sœurs ne peuvent pas coucher avec un seul homme. Encore moins un homme avec deux sœurs. Ça sera ton erreur. Ça sera votre erreur à tous. Votre sacrilège. N'avez-vous pas pensé à ça? Que la bonne personne pour diriger Odo est le prince héritier de Modike en l'absence d'un héritier de Moiseau. N'avez-vous pas pensé à ça? Ce qui est plus grand que le scarabée atterrit chez lui. Prince Festus, j'ai peur que nous ne soyons pas capables d'effectuer un changement maintenant. Je t'en supplie de ne pas réveiller le chien qui dort. Écoute, si tu essayes de faire cela, les dieux seront en colère et les calamités sont probables de nous tomber dessus. Exactement. Exactement, c'est ça le problème.
Peut-être qu'on aurait dû le faire avant que vous ne vous mariez. Bien sûr. C'est trop tard maintenant. Bien sûr. Bien sûr, avec la permission et la consultation des dieux. Arrêtez ! Assez ! Arrêtez tout ce mensonge et tromperie ! Vous utilisez le nom des dieux pour nous pousser à faire des choses qui favorisent uniquement vos ambitions politiques. Assez ! Assez ! Au fait, vous offrez souvent des sacrifices aux dieux quand vous vouliez que les dieux changent d'avis sur certaines choses. Pourquoi est-ce que cette méthode ne peut pas s'appliquer dans ce cas-ci ? Alors, sois raisonnable, mon prince. La situation ici est différente. Je serai le roi d'Odo. Cherchez ce que ça coûte. Peu importe ce que c'est, je payerai. Ah ! Odo, ça, beaucoup, 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 beaucoup. Mon prince, cela pourrait vous coûter la vie. Je ne peux pas me menacer avec la mort. Je suis prêt à faire face aux conséquences. Et si j'ai tort, que les dieux viennent après moi, je vais les affronter. Ha ! N'inquiète pas, pourquoi tu gagnes ton moi, non ? Le Tout-Puissant, nous sommes venus te saluer. Elle est maintenant enceinte. Je veux te remercier pour le sacrifice et aussi m'excuser pour la façon dont je t'ai parlé l'autre fois. Comment tu t'appelles? J'aimerais bien l'entendre. N'est-ce pas là une honte que le voyant du royaume ne connaisse pas le nom de sa princesse? Quelle est cette énigme que je vois sur toi? Quelle énigme? Si tu vois une énigme, arrange-la. N'es-tu pas le puissant voyant? Mère, je ne vais pas rester là assise à écouter toutes ces bêtises qu'il raconte. Rien ne se cache sous le soleil. Oui. Femme, ton pardon a été accepté. Merci. Oui. Les dieux n'ont absolument rien à voir avec elle. Bien, tu peux partir. Va. Et qui c'est ça? Nena, elle est la nouvelle chef cuisinière. Dépose ça là. La nouvelle cuisinière? Oui, ton frère. Qu'en est-il d'Amara? Ton frère l'a recommandé, donc elle est partie tôt ce matin. Comment ça? Donc je mérite pas une bonne cuisinière? Maman, est-ce que t'as vu? T'as vu de quoi est-ce que je parle? Odienna applique maintenant sa pleine autorité, comme le roi du royaume d'Odou, sur moi, son propre grand frère. Vous avez vu de quoi je parle? Vous avez Pourquoi vu ça? Pourquoi est-ce que tu parles comme ça? Peut-être que sa cuisinière ne cuisinait pas bien. Donc il a appelé Amara pour venir faire ses repas. Il est ton frère. Tous les deux vous faites un. Et qui a accordé cette requête? Je suis le chef de cette maison. Quelle audace est-ce qu'il a de recommander ma servante, mon chef, sans ma recommandation? Il est ton frère. Ce qui t'appartient appartient aussi à ton frère. Il peut prendre ce qu'il veut de toi. Et tu peux également prendre le sien au même moment. Je savais que tu allais dire ça.
Je le savais. Mais t'en fais pas. Parce que je vais régler ça à ma manière. N'importe quoi. Quelle audace! Écoutez. Ici, c'est ma maison. Et j'en suis en charge. Personne ne vient ici pour me dire quoi faire ou donner des ordres à mon personnel. Vous allez m'entendre. Why are you fighting for a throne that don't belong to you? Have you forgotten? Bonjour, où est ma femme? Elle est sortie, Agnès. Bon, où? Je n'ai aucune idée, mon roi. Est-elle partie avec ses servantes? Oui, mon roi. Je devrais profiter de l'occasion pour aller voir cette espèce d'idiote. Je dois lui faire entendre raison. Elle doit partir avant que Dogo ne revienne. Have you forgotten it's the girls that you're sucking? If you are fighting, oh, you are fighting in vain. If you are pushing, oh, you are pushing in vain. Yeah, well, oh yeah, why you? Well, oh yeah, why you? Je veux que tu me frappes. Oui, insulte-moi. Fais ce que tu veux faire de moi, mais s'il te plaît, écoute ce que j'ai à dire. Je ne vais pas t'écouter parce que tu n'as vraiment rien de bon à raconter. Tu m'as fait subir ça pendant des années. Combien de temps vais-je encore supporter le chagrin à cause de toi? Combien de temps? Il n'y a aucun moyen que je puisse apporter un enfant dans cette maison pour qu'il puisse subir toute cette brutalité. Aucun moyen. Tu ne mérites pas d'être père. Tu ne le mérites pas du tout. Tu es méchant. Tu es inutile. Le plus gros des idiots, c'est ce que tu es. C'est tout ce que tu es. Tu es un sorcier. Tu mérites mourir en solitaire. Ok. D'accord. Je ne mérite pas d'être un père. T'as raison. Mais qu'en est-il de toi? Ne veux-tu pas être une mère? Écoute. Tu ne me l'as pas dit. Je ne savais pas. Je suis désolé. Tout ce que j'ai fait, c'était pour sécuriser le trône. Crois-moi. Tu es un menteur. Il n'y a aucun moyen pour toi que tu réussisses à me convaincre avec ton chantage émotionnel. Aucun. Ça ne marchera pas cette fois. Ça ne marchera pas. Tu es un menteur. Très gros menteur. C'est ce que tu es. Tu ne m'aimes pas du tout, même pas un petit peu. Il n'y a absolument rien de bon à ce fardeau qu'on appelle mariage. J'en ai terminé. J'en ai terminé. Fais comme tu veux. S'il te plaît, calme-toi. Dégage. J'ai changé. Je le promets, je suis un homme différent. S'il te plaît. Je suis désolé. Bébé,
Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ne dors-tu pas? Je suis perturbé. Ça fait 3 ans que nous sommes mariés. T'as pas eu même une fausse couche. Le conseil commence à poser des questions. Je crois que nous devons voir un médecin parce que il est évident qu'il y a un problème. Et pourquoi tu penses qu'il y a un problème? Oh, allez, bébé. S'il n'y a pas de problème, pourquoi sommes-nous comme ça? Toi et moi savons que la seule raison pour laquelle le conseil ne met pas trop de pression, c'est à cause de l'influence de ton père. Il y a des limites à tout. S'il te plaît, allons voir un médecin. Chérie, je comprends. Mais donnons-nous encore un peu plus de temps. Il y a des personnes qui sont mariées à tant de 10 ans, 15 ans, 20 ans avant d'avoir des enfants. Les enfants sont un cadeau de Dieu. Est-ce que tu peux arrêter ça? Arrête ça, arrête de dire ça et fais face à la réalité. S'il te plaît, nous devons voir un médecin. C'est évident qu'il y a un problème. Non, 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 bébé. Écoute. Qu'est-ce que j'ai dit de mal maintenant? Je ne l'ai pas dit pour te faire te sentir. Ok, d'accord, d'accord, viens, viens là. C'est bon. Ça suffit. Ça fait 3 ans et plus. Je crois qu'il est temps de lui donner des frères et sœurs. Frères et quoi? Oh, s'il te plaît, ne pense même pas à ça. Sorette. J'aurais aimé ne jamais rencontrer ce lâche. Ok, c'est pas le bon moment maintenant, ok? Je ne veux pas que tu te blesses avec ces sentiments tristes. Les souvenirs ont toujours été là. Ils ne sont jamais partis. Regarde-moi. Une reine sans utérus qui va être mise de côté. Écoute, Utiena t'aime beaucoup. Il n'y a aucun moyen qu'il laisse ceci t'arriver. D'accord, reconforte-toi juste avec le fait que... il t'aime. J'ai l'impression qu'il commence à se reculer. Il pourrait faire le pire bientôt. Et ce n'est que maintenant que tu me le dis? C'est arrivé la nuit dernière. Sorette, je suis brisée. Tu connais la tradition. Tu sais comment elle est. La femme qui donne naissance au premier héritier devient la reine. Non, non, je ne suis pas. Il n'y a aucun moyen qu'on laisse cela arriver. Ah. Honnêtement, je suis confuse. Je sais, je suis consciente que tu as beaucoup fait pour moi. Mais actuellement, je suis désespérée. Je ne sais vers qui d'autre me tourner. Tu sais, donc... je suis encore sur le point de te demander l'impossible. Allez, Sorette, tu n'es pas obligée de faire ça. Écoute, nous sommes jumelles. Tu es mon double. Ça veut dire que nous devons être là l'une pour l'autre, d'accord? Alors, peu importe ce que tu veux que je fasse, peu importe ce que c'est, tant que ça mettra du sourire sur ton visage, je le ferai. Dis-le-moi. Merci. Merci beaucoup. Es-tu sûre que ton ovulation commencera exactement dans 3 jours? Oui, je suis très sûre de cela. Je l'ai vérifié et confirmé avec le médecin. Mais tu sais, Sorette, je suis un peu inquiète. Oui, et si je devais faire ça encore et encore? Et si ça ne marchait pas? T'inquiète pas. Prends juste les pilules que je t'ai données. Le docteur m'a assuré que c'est la pilule la plus efficace de fertilité qui existe. Et tu dois la prendre 3 jours avant ton ovulation. D'accord? Ma chère, je suis super excitée. Ça se voit partout sur toi. Je suis tellement contente. Regarde-moi, non? Hey! Donc, la princesse de notre royaume a accouché un beau garçon. Le royaume a maintenant un héritier. Hey! Je suis trop contente. Je suis tellement contente pour la princesse. Voici le genre de nouvelles qu'on attendait pendant un long moment. Oui. Ah! La reine peut crier de joie dès maintenant. Je t'assure. Ha! La partie la plus intéressante, c'est qu'il y aura une grande célébration. J'ai vraiment hâte. Il y aura à boire
et à manger. Ma chère, j'ai hâte que ce jour arrive. J'ai également hâte. Mon ventre est très vide. Hey. J'ai vraiment très hâte. Hey. Je vois que tous les deux, vous n'avez rien d'autre à faire dans ce palais que de commérer. Dégagez d'ici. Je dis dégagez d'ici. Foutez le camp. Merci de m'avoir rendu père. Écoute, je ne veux pas de distraction. Ça pourrait être important. Je te l'ai dit. Oui, allô? Votre Altesse, j'ai envoyé les résultats de votre test de fertilité dans votre boîte postale. Oh, vraiment? Mais tu vois, je pourrais être très occupé pour le vérifier. Pourquoi ne pas le dire directement? Les résultats montrent que vous avez un problème permanent sur votre testicule. Docteur, s'il vous plaît, épargnez-moi votre langage médical. Soyez clair, s'il vous plaît. Vous êtes stérile, votre Altesse, donc vous ne serez pas capable de mettre une femme enceinte. Quoi? Vous êtes sérieux? Oui, votre Altesse. Je l'ai refait plusieurs fois pour être sûr. Je viendrai vous voir dans votre bureau. Allô? Votre Altesse, vous êtes là? Allô? Est-ce que tout va bien? Ouais, tout va bien. J'ai fait 5 tests de fertilité et tous les résultats sont pareils. Si je suis vraiment stérile, comment elle a-t-on pu concevoir? Aurait-elle pu me tromper? Non, non, non. Adoko est une femme vertueuse. Elle ne peut pas me tromper, encore moins emmener un bâtard chez moi. Ma reine, comment tu vas? D'accord. Viens là. Ah. Tu sais, à chaque fois que je te regarde, il y a cette joie que je ressens en moi. Et ça, c'est parce que t'as fait de moi un homme heureux. Un père fier. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un truc qui mettra un sourire sur ton visage? Alors, j'ai décidé de te donner un cadeau. Ferme les yeux. Ferme-les. Eh bien, c'est fermé. Que tu fermes les yeux. C'est fermé. Ouvre-les. Et t'en es sûr? Ouais. Tada! Voici la clé d'une nouvelle voiture. Garitor, juste pour toi. Oh mon Dieu, bébé, merci, merci beaucoup. Merci. Merci. Oh ouais. Bon. Ah non, je vais voir. Je vais d'accord, voir. Vas-y. Bonjour, Votre Altesse. Votre Altesse, le roi demande votre présence dans nos palais. Pourquoi faire? Je ne sais pas, Votre Altesse, mais je crois que les anciens sont ici pour le baptême de l'enfant, parce que j'ai vu la reine entrer avec le bébé.
Ils peuvent commencer. Dis-leur que je ne vais pas venir. Votre Altesse. Est-ce que tu peux dégager d'ici? Je suis désolée, Votre Altesse. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est quoi cette bêtise que tu essaies de montrer? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu ne peux pas être gentil pour une fois dans ta vie? Tu peux toujours te faire entendre sans crier. Tu veux attirer l'attention de nos invités pour qu'ils commencent à demander ce qui ne va pas? Qu'ils viennent demander et je vais tout leur dire. Je veux leur faire savoir que ma vie est tellement misérable et que je suis tellement triste. Qu'est-ce que je profite de ce mariage? Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Après toutes les acrobaties que je fais dans la chambre, qu'est-ce que je gagne? Écoute, je suis fatiguée. J'en ai marre d'être utilisée. Je suis fatiguée. Je veux juste être aimée. Oh. Qui t'a dit que je ne t'aimais pas? Alors il devrait y avoir des preuves. Oui. Voici ce que les gens qui aiment leur femme font. M'as-tu demandé une nouvelle voiture et j'ai refusé de te la donner? Oh vraiment? Je suis censée te demander de changer cette vieille chose que je conduis depuis qu'on nous sommes mariés pour que tu le fasses? Tu es tellement vieux jeu, tu ne fais pas comme les gens de ton âge, c'est du n'importe quoi! Surveille ton langage! Oh quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Je t'ai donné un enfant, un garçon, un héritier au trône! Qu'est-ce que tu m'as donné? Rien n'est venu de toi! Même pas un grain de sable, pas un seul mot d'appréciation, rien! Bien! J'ai donné naissance à un deuxième enfant. Qu'est-ce que tu as fait? Encore rien! Et pourtant, tout ce que tu peux faire, c'est organiser une ridicule, embarrassante cérémonie de baptême pour l'enfant. Alors que nos ancêtres, ou même nos aïeux, dans leur époque, ne pouvaient pas penser à faire un truc aussi minable. As-tu pris de la drogue? Je ne le ferai jamais. Je préférerais mourir que de devenir une droguée comme toi. Très bien. C'est bon. Retournons juste à l'intérieur et terminons la cérémonie du baptême de notre enfant. Après cela, je t'amènerai chez un concessionnaire où tu pourras choisir n'importe quelle voiture, peu importe le prix, peu importe combien ça coûte. Je ne t'en veux pas. Franchement, je ne sais pas comment tu es entré dans ma vie. Je ne sais pas comment je suis entré dans la tienne, mais ça va, attends. C'est bon. Dégage de mon chemin! J'espère qu'elle ne prend pas ma drogue, quand même. Elle est bonne, hein? Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha! Oju Keleno! Hé! Keleno! Hé! Tatata Keleno! Hé! Keleno! Hé! Kelezueno! Hé! Igwe, il est temps pour vous de nous donner le nom de votre prince. Mes anciens, je vous salue. Igwe. J'ai là mon bébé. Hé, hey, mais qu'est-ce qui se passe? Igwe, Igwe, Votre Altesse. Votre Altesse. Majesté, qu'est-ce qui se passe? Oh, oh, madame. Enkate, Ogene, Mai, Jinara, Jinamiai. Hey, Ma, Amore. Ah, moi. Aïe! Eh bien, elle a commis un sacrilège. Ses mains sont pleines d'utérus. Elle doit se confesser. Sinon, le roi va mourir. S'il te plaît, confesse. Confesse, nous t'écoutons! Confesse, non, on veut t'entendre.
Je suis la princesse Adogo. Pardon? Nous avons décidé de troquer nos maris. Qu'est-ce que cela veut bien dire, hein? Parle-nous avec un langage clair que nous pouvons tous comprendre. Je veux dire, nous avons changé nos époux. Hey! Pourquoi avez-vous changé vos maris? Est-ce que tu essaies de nous dire que tu n'aimes pas Prince Uchima ou quoi? Ceci nous amène complètement dans une autre histoire. Nous allons nous concentrer sur comment elles ont fait. Mais pour le moment, faisons face au problème actuel. Et ensuite, plus tard, nous parlerons de ce qu'elles ont fait. Princesse, je vous en prie. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez fait qui a pu mettre le roi dans cette mauvaise condition? Odo, tu es un menteur. C'est un mensonge. Nous n'allons pas faire ça. Écoute, nous allons commencer dès le début. Comme ça, nous comprendrons étape par étape comment les choses ont évolué. Oui, elle doit nous dire comment est-ce que ça a commencé dès le début. Quel début? On l'a entendu du voyant. Si notre roi reste longtemps dans cette condition, il va mourir. Ce qu'elle a fait est une abomination. Les dieux sont restés silencieux pour une raison qu'eux seuls connaissent. Cet acte présent était le summum. C'est moi qui l'ai poussée à faire ce qu'elle a fait. Ma princesse, vous avez souffert d'une perforation utérine à cause de la potion que vous avez prise en essayant d'avorter votre précédente grossesse. Docteur, êtes-vous en train de dire que je ne serai plus capable de concevoir? Hein? Ah! Sokobe! Hey! J'avais peur que mon mari découvre ce que j'avais fait. Alors cela m'a poussée à demander à ma sœur ici présente de coucher avec mon mari et de concevoir. Alors je me suis procuré quelques médicaments de fertilité qui ont accéléré le processus. Et ma sœur est tombée enceinte. Malheureusement, elle a conçu des jumeaux. Alors, quand elle a accouché, elle a pris la fille et elle m'a donné le garçon. Hey! Gurum! Wesara, Wawifele! Yari Elioba! Osoja Rejo, Bifele! Symbole de paix et d'amour, Nenu! Voya, voyana, kodana! Arajo nunu, juko nunu karacho, nkoko elu nundozo, baloso naso. Hey, mba, oya, agareme. Agareme, oya, ayare. Otikala. Otikala gada gada. Rulato. Hey. Huzu. Ifunaya. Ogorogo urunanisike, le symbole de l'amour, de la paix et de la vie éternelle. Nko, Eke, Olie, avant. Mon frère, hey, Uchenna, tu m'entends? Uchenna? Uchenna? Oui, Uchenna? Oui, oui. Tu m'entends? Tu peux nous entendre? Uchenna? Nous ne pouvons pas laisser ces imbéciles d'anciens prendre la dernière décision. Nous allons devoir décider sur la prochaine marche à suivre. Mon frère, je suis brisé. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. J'aime Adogo. Je veux dire, Dabere. Ça me fait beaucoup mal. Je veux dire, elle aurait dû me le dire depuis le départ.
pour éviter toute cette merde. Maintenant, nos ennemis vont chercher toutes les excuses pour prendre le trône de notre lignée. Non, ils ne peuvent pas. Tu sais, j'ai lu les chroniques des ancêtres et comment les princes ont vécu leur vie. Ils ne peuvent pas se révolter contre nous, parce qu'on n'était pas au courant de ce qui s'est passé. Est-ce que je peux aussi lire les chroniques ? J'ai besoin de comprendre les règles, comme ça je saurai sur quoi baser mes arguments. Écoute, t'as pas besoin de discuter avec n'importe qui. Ils n'oseront même pas de le soulever. Le pire qui peut arriver, c'est d'annuler le mariage avec la princesse. Et cette décision nous appartient à nous. Je suis désolée. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais à cause du travail de mon défunt père, fais preuve de miséricorde. S'il te plaît. Nous reparlerons une autre fois. En sortant, je veux que tu partes avec ton fils. Comment ça? L'enfant n'est pas de moi. Pour couper court, je suis stérile. Quoi? J'ai décidé de jouer aussi. Parce que je n'avais pas le choix. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne peux pas enceinter une femme? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Te dire quoi? Je te pose la question, te dire quoi? Alors que tu m'as annoncé la nouvelle de ta fausse grossesse le même jour. J'ai dû jouer à ce jeu, car je n'avais plus rien à perdre. Tu es maléfique. Quelle audace. Tu ouvres ta bouche pour me traiter de maléfique. Après avoir détruit ton utérus avec cette maudite potion. N'as-tu pas honte? Oui, j'accepte que je n'ai aucune honte. J'ai commis une terrible erreur et j'ai fait tout ce que je pouvais pour m'assurer de l'arranger. Pour que tout cela ne te retombe pas dessus. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu es resté là à recevoir toute la gloire comme si tu étais un homme alors que tu sais que tu n'en es pas un. Tu n'es en aucun cas mieux que moi. La ferme. La différence est que mon infertilité n'a pas été causée par moi. Regarde-toi. Tu t'es roulé dans la peau, alors que tu savais que tu devais épouser un prince. Tu n'étais pas censé te préserver. T'étais pas censé attendre. Vous êtes tellement minable. Je ne pense pas que je vais encore entendre plus. Fiston, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi aller voir ton frère. Laisse-moi au moins savoir comment il va. S'il te plaît, je t'en supplie, s'il te plaît. Mère, tu ne sortiras pas de ce palais jusqu'à ce que je termine mes enquêtes. Fiston, je ne vais pas m'enfuir. Je vais revenir ici. Et tu pourras faire de moi tout ce que tu voudras. Je suis prête à subir ta punition. Mais s'il te plaît, permets-moi juste d'aller voir ton frère. Laisse-moi voir mon fils. Que je sache comment il va.
Je t'en supplie, s'il te plaît. Je ne vais pas m'enfuir, s'il te plaît. Tu n'iras là, Dior, que pour foutre encore plus de honte à ce palais, avec ta personne dégueulasse. De façon à causer encore plus de problèmes. Encore et encore. Ochena va bien. Bien qu'il ne sait pas encore ce que tu as fait. Merci. Merci de ne lui avoir pas dit. Merci beaucoup. Ne remercie pas. Je le lui dirai quand le moment sera bon. Pour cette affaire, je vais creuser jusqu'au fond. Parce que j'ai le sentiment que cet acte dégueulasse de ta part était la raison pour laquelle mon père est mort. Non. Cette relation a commencé avant la mort de ton père. Oh. Alors comme ça n'a pas commencé récemment. Ça fait des années. Je m'apprêtais à l'envoyer en exil. Mais non. Il viendra payer ta dot et t'amènera chez lui. Parce que tu n'es plus la reine-mère du royaume de Modiké, mais la femme d'un mort. Non, s'il te plaît, fiston, ne me fais pas ça, s'il te plaît. Et s'il te plaît, ne fais pas ça à ta mère. Pour l'amour de ton défunt père, s'il te plaît. Je t'en supplie, s'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît. Votre Altesse. Qu'est-ce qu'il y a? Hey! Abomination! Ma chère, qui aurait imaginé que de telles atrocités seraient en train de passer dans notre propre palais? Hey! Est-ce que tu sais que notre propre reine a une liaison avec Ititio Nora? C'est tellement dégoûtant. Je sais, n'est-ce pas? La seule chose que je ne comprends pas ici, c'est comment la reine a été intéressée par Ishio Nura. Parce que c'est vraiment très choquant. Ma chère, est-ce que tu sais que j'ai même entendu dire que la liaison n'a pas commencé aujourd'hui? Ça a commencé il y a de cela très longtemps. Ah, reine de notre royaume, ma c'est chère. C'est vraiment abîmé. Mais attends, j'ai entendu quelque chose. Comment sommes-nous sûrs qu'Ishi Onura n'est pas celui-là qui avait tué notre roi? Hé, ferme ta bouche, tu veux m'impliquer? S'il te plaît, les muons, les oreillons. Ferme ta bouche. C'est possible. Regarde, nous avons quelque chose à faire. Attends, à faire à la cuisine. Détends-toi. Hein? La chose est que je ne sais pas. Je ne sais pas comment le prince se sent en ce moment. J'ai mal pour cet homme. Ah, toi et le prince encore. Il ira bien. Allons-y. Ma chère, j'ai vraiment mal pour lui. Arrête tes bêtises. T'es un idiot. Comment oses-tu? Comment oses-tu faire des plans pour épouser la reine du royaume de Odo sans mon consentement? Un paysan! N'est-ce pas, cette femme éhontée? Savait qu'il était un paysan quand elle a ouvert... Je ne te laisserai pas faire ça, ma mère. Encore moi, j'étais la réputation de ma famille dans la peau. Essaye de m'arrêter. Tu feras face à ma colère. On dirait que t'as oublié que je suis le roi du royaume Toto. Et mes paroles sont définitives. J'ai parlé. Et je te le dis maintenant. Envoie cet homme en exil et retire notre mère, la reine du royaume Toto, de cet endroit. Tu peux le donner à qui tu veux le donner. Écoute cet idiot stérile. À qui est-ce que tu parles de cette façon? Tu sais quoi? J'allais te laisser le trône du royaume Toto après notre dernière conversation. Mais tu vois ce manque de respect que tu viens de me montrer là? Tu vas le payer. Écoute, tu ne vas rien dire. Tu ne peux rien faire. Alors on verra. Tu ne vas quand même pas partir et abandonner tes enfants juste comme ça. En fait, ils t'entoient. Tu prendras soin d'eux comme s'ils étaient les tiens. Tu ne vas pas partir et me laisser avec tous ces gens toute seule. Tu es un homme qui est amoureux de toi. Et un heureux mariage. Regarde-moi. Qu'est-ce que moi j'ai?
si je décide de rester ici dans ce palais, faire des sacrifices pour apaiser les dieux pour le sacrilège que j'ai commis. Crois-moi, Festos me tourmentera durant toute ma vie. Ne me supplie pas de rester, s'il te plaît. D'accord, ce sera un coup très dur pour moi. D'accord? Mais, et si tu partais plutôt dans un autre état? Tu n'es pas obligé de quitter le pays. Je veux te dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Je suis vraiment désolée pour tout ce que je t'ai fait. J'ai payé Marvin de rester loin de toi. Et je me suis vraiment assurée qu'il n'ait plus rien à voir avec toi. Je suis allée même à fait qu'il ne te rencontre plus. Adogo, tu as quoi? Je suis désolée, je suis désolée. Tout ce que j'ai fait jusqu'ici pour toi, je l'ai fait avec tes bonnes intentions. Ne peux-tu pas le voir? Tu jouis des fruits. De quoi est-ce que je profite? Cet acte simple de ta part m'a poussé à aller voir une vendeuse pour prendre une potion qui m'a fait perdre mon utérus. Je suis désolée. Mon Dieu! Je suis désolée. Oh, Seigneur! Vous tous vouliez me forcer à épouser une autre femme. À cause de la prophétie qui ne peut même pas dire exactement d'où venait le problème. Mais maintenant, vous jouez aux aveugles sur l'affaire qu'Otienna ne peut pas avoir un héritier sur ce trône à cause du favoritisme. Je vais vous combattre, l'un après l'autre. Je vais vous combattre, vous tous, chacun de vous. Vous goûterez à ma colère. Medugawan, Prince Festus, que veux-tu exactement? Le trône! Ce qui m'appartient légitimement, le trône. Cet homme là-bas est impuissant. Il ne peut pas produire un héritier à ce trône. Comment un homme stérile peut être au trône alors qu'un homme viril est là? C'est de la tricherie. De la pure tricherie. Assieds-toi. Mes chers anciens, je voudrais que nous regardions cette affaire très attentivement. Je propose qu'on réunisse les deux royaumes en un pour une administration facile. Hey, écoute-moi, Jim Magnus. Mais qu'est-ce que tu sors de ta cavité vocale? Qu'est-ce que tu racontes? Tu recommences encore avec tes idées de qu'est-ce qui va pas chez toi? Tu veux que la colère des dieux ça batte sur nous ou quoi? Daoya Koui Ryoba. Ancien. Oh non. Je crois que je suis d'accord avec l'idée d'Ichie Magnus. Nous sommes tous au courant que les deux trônes ont été établis à cause de la distance que le peuple de Modikyo effectuait avant d'assister aux réunions du cabinet à Umuazo. Mais heureusement, nous sommes tous mobiles maintenant, ce qui veut dire que nous avons des voitures. Donc nous pouvons assister aux réunions et revenir à l'heure. Par cela, je m'adresse à tous les membres du conseil de Modik. Oh no. Merci. Très bonne idée. Merci. Je la soutiens entièrement. Mais la grande question est celle-ci. Au cas où nous réussissons à unir ces deux grandes villes, pour qu'elles forment un grand royaume, alors qui va être le roi? Moi, bien sûr. Vous êtes tous d'accord ici avec moi que je suis le seul héritier légitime à ce trône. Vous le savez tous. Bien, mes anciens. Je n'ai pas besoin d'organiser un vote pour savoir que tous ici, vous voulez que ça change. Et cela est très visible. Mon roi, ce n'est pas ça. Non.
qu'est-ce qu'il fait? Mais votre Altesse, ce n'est pas comme ça. Mon grand frère ne peut pas être mon sujet. Depuis que nous avons décidé de faire, je trône dans vos dos une dynastie. Je vais volontairement céder le trône à mon frère. Puisse-t-il être le roi. Tu es un homme. Que les dieux mènent cette bataille. Tu es un homme. Que les dieux mènent cette bataille. Tu es un homme. Un homme. Ha! Ok, n'est quoi, Nyabéa? Oh, palia, boya, boa, non? C'est un événement triste qui vient juste de se produire. Mais nous allons devoir aller de l'avant. Parce qu'on ne peut pas, à cause de la mort, décider de ne pas aller en guerre. La décision est que le prince Uchenna va devoir être recouronné à nouveau comme le roi d'Odou. Nous n'aurons plus deux trônes, mais une puissante dynastie. Et qu'en est-il du problème de son impuissance? A-t-il été résolu? L'on ne peut pas voir le bec de l'oiseau et se demander comment est-ce qu'il se nourrit. Il y a un enfant mâle qui existe bel et bien dans la maison royale. Ce qui veut dire que le prince Uchenna devra régner sur le trône royal jusqu'à ce que le fils du défunt prince Festus grandissent. Voilà la dernière décision. Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha! Oulukula gelo! Ya! Gelo! Gejano! Ya! Why are you fighting for a throne that don't belong to you? Have you forgotten it's the girls that you are? If you're fighting, you are fighting in vain. If you're pushing, you are pushing in vain. Yeah.